Salut, c'est Sab, donc voici la suite des let's play qu'on va lancer sur Launch Upgrade, l'Automation Pack. Donc là on n'a pas l'extension Space Out, on est bien sur le jeu de base, sur ma base spéciale débutant. Salut Urtax, salut Perwen. Donc au dernier stream, nous avions mis en place ce setup. Donc je vous rappelle, vous avez déjà un tuto récent sur la chaîne sur les raffineries. Mais voilà, d'ailleurs je vais faire une petite mise à jour. Juste faire ça. Sur le four d'acier. Comme ça, on refroidira le verre, qui est pas extrêmement chaud, mais bon, si on peut le gratter quelques degrés en plus, c'est encore mieux. Et donc, voilà, donc là, ici, le principe de ce setup. FDR et c'est en fait de gérer la chaleur du liquide de refroidissement de la raffinerie, donc qui est ici. Parce que c'est normalement de base, c'est très dur à gérer. Le liquide de refroidissement subit énormément de montée en température. Donc c'est assez galérien. Alors attends, pourquoi? C'est assez galérien. Et donc les turbines nous permettent de gérer, de consommer cette chaleur en faisant passer le liquide dans la salle de vapeur, et donc comme ça on se débarrasse de la chaleur, et ainsi on n'a plus ce problème de gestion de chaleur. Alors là ouais, on va juste faire un petit shunt. Ah ouais, par contre c'est con, je risque de vider ma... Ouais, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Après 120, je risque de niquer mon waterlock. Ça n'aura pas du verre trop chaud. Ah bien, ils ont réussi à péter sans lever d'eau, c'est parfait. Il n'y aura plus que ça à patcher. Voilà, comme ça, on fera un petit refroidissement. Alors, petite truc non optimisé sur mon four verrier. C'est alors il faut se rappeler que le four verrier est bourré de bugs. En fait, il y a un problème par rapport à la sortie. La température ici de sortie en fait prend en compte la température du pied du four verrier. Donc il faut un sol isolé, pas d'eau sur le sol. Et il y a un troisième prérequis que je n'ai pas rempli, qui est de ne pas avoir de gaz très conducteur. Donc idéalement il faudrait du chlore, et là je n'aurai jamais de casse. Là globalement j'ai très peu de casse, mais si vous voulez vraiment zéro casse au niveau de la canalisation de sortie, sol isolé, pas de flotte ou de liquide sur le sol, évidemment sortie isolée, roche magmatique voire céramique, c'est encore mieux, et surtout du gaz non conducteur, donc oxygène ou encore mieux du chlore. Moi globalement ça passe, mais bon. Qu'est-ce qui me manque là? Ah oui, c'est le. Ah bah oui, justement, c'est le fameux. C'est le fameux fer où on est un peu en dèche. Bah, du coup, on va en refaire, hein, c'est pas grave. En attendant le. En attendant d'avoir le volcan. À monopoler, c'est ma boucle de thermostat aquatique. C'est ma boucle de refroidissement. Donc j'ai deux boucles. La boucle du liquide de refroidissement de la raffinerie qui va directement dans la salle de vapeur pour se faire refroidir, parce qu'à chaque passage elle se prend 140 degrés dans la tête, et la boucle classique thermostat turbine, voilà. Et le verre je l'envoie directement dans la salle de vapeur, après c'est mis sur le rail et pareil c'est refroidi sur le rail et ça redescend ici, et je complète mon refroidissement du verre, voilà, avec ma petite boucle thermostat turbine. D'ailleurs, ça aussi, on pourrait l'isoler, ça va de conduire.
Donc voilà. Alors, on va commencer par le volcan de fer, qui est normalement est là-haut. Peut-être par là. Donc là, je connais les emplacements des geysers et des volcans, parce que c'est une carte que j'ai choisie. C'est de quoi choisir. Et là, normalement, je dois avoir mon volcan de... Mon volcan d'or. Ça pourrait être intéressant de faire une combinaison entre les deux. Ça pourrait être pas mal. Je prévoyais deux setups différents. Je prévoyais un setup basique type avec du pétrole et mon autre setup avec les turbines. Je voulais faire deux setups différents pour vous montrer des exemples. Mais là, il y aurait peut-être une possibilité de faire encore autre chose. Eau saline. Là, on doit être à 2 kilos, je pense. Là, je vais regarder sur ma seed. Alors, on est à 2,77 kg ou 2,71 kg, on va dire 2,7 kg en lycée. Et pour volcan d'or, je suis à 350 grammes. On va faire un check sur les assistants. Alors attends, je vais vérifier un truc. L'eau saline se vaporise à 100 degrés, d'accord, c'est comme l'eau classique. Donc là, j'ai... On va aller sur... Tac. Alors, nous avons de l'eau salée. 2,7 kg. Par seconde au lycée, elle sort à combien déjà? 95. La poussée à quoi? 100, 103, 105. Allez, 105. Bah non, je suis con, même 125 parce qu'il faut que ce soit éligible à la turbine. 125. 300 000 ETU. Donc je pense qu'on doit être pas mal. De notre côté, j'ai un volcan gold liquide. Donc qui me dit qu'il est à 359 grammes. Donc 0,349 par seconde et il sort à 2626,85, 2000, merde, 2626,85 et on le veut à 130, 100 000 ETU. Ah yes, ouais, donc c'est carrément jouable. On peut couper les deux. Donc là du coup je dois baisser, sinon je vais noyer mon volcan. Me dira on peut hein. Là on est à 100 000. Ah, là je suis 3 fois plus hein. C'est vénère hein, 2,7 kg, donc on peut envoyer même déjà 2 kilos, voir 2 kilos, 1,5 kg. Là en gros j'essaie d'équilibrer les deux en fait, ouais, même à 1,5 kg on est large. Bah, 1,5 kg, on est large. 1 kg, faut voir. 123 000. Ouais, même à 1 kg, on pourrait. Après, à 1 kg, ce sera un flux tendu. On mettra une vanne. Ouais, avec une vanne, mais clairement, il y a un truc à faire là. Il y a clairement une fusion à faire entre les deux. Comment ça, c'est-à-dire?
C'est ma boucle thermostat aquatique pour refroidir les générateurs. Thermostat turbine pour refroidir les turbines et les machines ici. Carapoc, on va le garder, ce sera utile par la suite, justement pour faire de la chaux en masse. À terme, je crois, un élevage de carapoc. Et c'est vrai que c'est beaucoup demandé en plus. Ah bah tiens, il est juste là, le volcan parfait. Voilà, pendant qu'on réfléchissait, vous avez eu le temps de faire ça. Lui, on va faire un classique, comme j'ai sur la chaîne, comme mon tuto sur la chaîne là, que j'ai mis là. Voilà, comme ceci. Et par contre, pour celui d'or, on va faire un truc un peu varié. Salut, ici. Tac. Ça, c'est le tuto du volcan. Voilà, pour qu'il galère là-haut. Putain, c'est chiant, ça, qu'on est. C'est bourré de soude encore. C'est assez chiant. Bon, on va se faire l'échelle. Ah, j'avais essayé d'échapper un peu de chlore, tant pis. Hein. Ça me saoulait de le gérer. De toute façon, mes plantes sont autant lequel, donc il n'y a pas de risque. Et notre ami ici. Alors lui, il est full d'hydrogène. Là, c'est génial, des socles de turbine, ça c'est parfait. Ouais, en plus avec une seule turbine. Ah ouais, ça va être génial. En plus avec une seule turbine, on peut le gérer. Après, sur la période active, il peut être assez vénère. Avec une bonne effet de masse. Je pense qu'une turbine peut largement le gérer. Hein. Bon, pareil, là on va se faire un accès. On va éclater cette l'hydrogène là. On va se faire un accès water locké ici. On va direct faire un waterlock au pétrole. Comme ça, on prend pas de risque. Si on doit intervenir sur une setup. Eh ben, là où c'est que ça pompe hein, ici? Et pourtant, ça turbine. Ça turbine, ça turbine. Là aussi. Peut-être les aider un peu. Hein. Là, ce qui me fait chier, c'est que j'ai du gaz. Est-ce que j'aurais besoin de pétrole pour mon waterlock? Salut Bizetic, on va passer par là, on va aller péter le gaz qui nous emmerde. Histoire de pas faire le. Comme ça on balancera ce bassin ici pour un peu mieux soutenir mes puits. Ouais, il con ça va mon. Ça rigole zéro là, le cuiseur, ça débite. Hein. Voilà, on va retourner voir là-haut.
Ah bah là où c'est en cours. Là où on gère. L'accès par les ruines qui est déjà waterlock. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il y a du chlore là-dedans. Ah non, c'est risqué, parce que ça, c'est à moitié sous pression. Enfin, je sais pas. Non, par là-haut, ça va le faire. Ça devrait le faire. Alors là, pareil. De toute façon, là, c'est de la merde. Enfin, j'aurai un peu de chlore. On va quand même waterlocker. C'est une vraie merde ce biome. Alors les volcans, faut toujours les aborder sous vide. Pour éviter d'avoir un méga nuage hyper chaud. Petit purgé ici. Je pense que ça vient de là, le... Ouais, c'est mon filtre qui est 10 fois trop plein en fait. Ça vient de là, mes petites bulles d'hydrogène là. Bon, pour l'instant ça va, mais... Tu viens de faire ça pour 20 minutes, ouais. Ah bah ça, ouais. Les joies du vide. Là, ça devrait tenir. Et là, tu vois, après, on va pouvoir passer là, ça va aller vite, en fait. Hein. Ça devrait être assez rapide. Ça, l'idée, c'est voilà, récupérer cette conduite, dégager. Comme ça, on va se faire un beau lock ici. Là-haut, j'ai un peu la flemme de le faire en pétrole. Voilà, c'est loqué. Normalement, on peut accéder comme ça. On va enregistrer aussi les localités, tiens. On va enregistrer ça. Contrôle 1. Contrôle 2. Et contrôle 3. Après, là, le problème, c'est que c'est froid. Ouais, donc là, pour locker, remarque. Ou je lock avec. Fameuse saline. Moins 7.
Yes, tu connaissais pas? Tu peux enregistrer des zones de caméra. Et après, pour revenir sur tes enregistrements, tu fais Shift 1, Shift 2, Shift 3. Et là, on va revenir ici. Là, on en apprend tous les jours. Ouais, ça va, c'est pas grave, là, ça va, bon endroit. Pas trop tarder à aller péter le gaz. Dommage que ça s'est un peu effondré parce que ça me rajoute de la surface à traiter. Mais bon, c'est pas grave. Là, on sera loqué de toute façon, c'est pas très très grave. Je suis allé trop loin. Ah oui, t'as raison. Ah, on a complètement effondré la salle, du coup, faut que je construise. Ok, là-haut, je serais presque chaud pour mettre ça en fait. Après, c'est du moins 7. Il y a quand même un risque de givre. Mais bon, avec l'effet de masse, je pense que ça peut passer. Ça se nous fait un Waterloo rapide. Voilà, de quoi s'occuper. On va revoir. Putain, ça c'est tout mon hydrogène qui a merdé de mon filtre. Là, on va remettre sur l'acier. De tonne 6, ça va y être de quoi s'occuper. Sur la chaux, il n'est pas dingue. Hein. Ok, ah, sur le verre, on a bien bossé, j'ai l'impression. 2 tonnes 9. Alors, 10 panneaux solaires, c'est 2 tonnes, là, je peux en faire 10. Ouais, on va en continuer encore. Comme ça, on sera full panneaux solaires. Sera pas mal. Donc pour ceux qui n'étaient pas là sur les épisodes d'avant, on se prépare pour la surface. Là, je pense que je vais pouvoir tirer mon. Voilà, le pétrole là, il débite bien. Ça débite, il faut que je trouve une place pour passer, ça va être chaud. Pff,
puis il est là. Ça sent le coinçage, ouais, voilà, classique. Il est un peu blindé ici, là, niveau tuyauterie. Ça, c'est le des turbines. Si on va refaire des bouteilles, hein, c'est pas grave. Ça va le faire. Ah, Lucien, c'est normal. Hein. Les bras ne peuvent pas récolter les plantes. Et par contre, ça, une fois que ça a tombé sur le sol, oui. Une fois que le champignon aura largué son truc sur le sol, là oui, ce sera auto-récolté. Mais non, non, les bras n'ont pas la faculté de d'auto-harvest tes champignons. La seule technique d'auto-harvest, d'auto-récupération des plantes, c'est de faire couler l'eau dessus. Mais c'est overkill pour... Il n'y a que pour les arbres, donc c'est intéressant. Il y avait un joueur qui avait fait ça pour toutes les cultures. Là, je te montre pour les arbres, le principe. Tu vois, l'idée, en fait... C'est de faire tomber l'eau sur ta plante et en maintenant la cascade, ça casse la plante et du coup, ça fait tomber la ressource sur le sol. Mais autant pour les arbres, sur une grosse agriculture comme ça d'arbres, là oui, c'est envisageable, même si c'est assez lourd à mettre en place. Pour des champignons, consacre un dupe, hein, ça va le faire. Ça va le faire, ça va le faire. Salut, Galouane. Donc voilà, comme ça on est loqué ici. C'est à moitié en train de givrer. Est-ce que j'aurais besoin du dessus? Attends, je vais essayer de me localiser un peu là. Voilà, donc le toit du volcan, il est là. Voilà, en gros, on va être comme ça, ouais. Donc on est full gaz. Là, il faut que j'aille miner. Ouais, donc déjà, on va éliminer. C'est chiant cette soude. On va éliminer ça, je vais y patcher. Et on finit de patcher ça. Ouais,
On va pas passer. Ok, là cette turbine. Bientôt 10 tonnes d'acier, c'est bien. Donc il me faut 32 tonnes pour les ports de bunker. Et après 8 à 10 tonnes pour le reste, les fusées et autres. Là-haut, je vais fermer. Je vais reminer à minima. Comme ça, on refera le vide en construisant. Là, a priori, j'ai pas besoin d'y aller. Ah oui, c'est vrai que ce point d'exosuite ici. Détail qui a son importance. Il reste au pied, il faut que je les vire de là aussi. Ouais. Les gloutons, ils les avaient mis là-haut, en fait. Ils ont mis où les gloutons? Peut-être que je le lance pour que ça tape quand même un jour. Ce serait pas mal. Les pierreux, on va les prendre. Ça aussi. Ça, je pense que je vais les recycler pour les râteaupiers. Ouais, parfait, les arbres, c'est nickel. Voilà, mais ça, on reteste le piège. Il passe les portes. Tac. Il va dans le piège. Et il tombe. Voilà, l'étage, je lui ai besoin. Ça, c'est bien. Je sais pas où ils me les foutent, les œufs, c'est bizarre. Ah yes! Ça c'est emmerdant. Ça peut poser problème en effet. Ça va finalement, ça bug pas trop ma forge. Ok, ils ont commencé Waterlock là.
Là où c'est loqué. Alors, on va ramasser le chlore qu'on va mettre ici. Construire là. Et on va leur mettre les exosuites. Voilà, on va recycler cette salle. Tu me diras. Après, c'est garder ça. Ça, je vais garder, ouais. Si on veut incuber un peu, ouais, ça pourrait faire une salle d'incubation. Même si je vais pas plus trahir les ratopies, je pense que ça. Peut quand même. Donc, l'obsidienne, à savoir, ça évite qu'il s'échappe. Ouais, et tout ça, je vais recycler pour les ratopiers. Limite, là, je me fais une grande salle. Ça, on va virer. Ah, tout ça, on vire. La flèche, je peux la garder, ouais. On va la rapprocher de l'entrée. Et ça lui donne un peu d'oxygène, ce serait pas mal. Attends, ça va où? Ça va là. J'aurais déjà dans la base. Ouais, ça on va le défaire sur Waterlock, c'est devenu useless. Voici que les exosuites. Comme ça on enlève toutes ces tours là. Alors, niveau exosuite, est-ce que j'ai une forge? Ah oui. On va en faire. Voilà, ils seront quand même mieux avec. Là, on va mettre le consommable. Voilà, comme ça on va pouvoir refaire le vide ici. On va aller ouvrir ici. Le Draco, enfin je le bloque aussi. Il va nous emmerder. Virer la soude là. Ah, comme ça je mine vraiment à minima. Et ça, comme ça on fera vite le vide.
Ok. Ouais, pas la folie le lac. Hein. Ça commence à se mettre en place les exos. Super. Ça lui aurait de force. Ah, il y a un léger problème d'accès. Ouais, alors ça, on va le cutter. Je crois qu'il n'y a pas d'autre erreur. Ça, je le remettrai après. Remarque. Ouais, non. Je vais mettre la flèche ici juste pour pas les faire courir jusqu'à l'autre bout. Salut, Jean. Et on va se relocaliser tous les ratoupiers ici. J'ai fait d'urgence pour pas qu'il les laisse, pas qu'il les laisse tomber. Ça en fait déjà pas mal, hein. Et hop, c'est parti. Comme ça, on va libérer là, le passage. Donc, les murs en obsidienne. Comme ça, ils peuvent pas s'échapper. C'est obsidienne, métal ou porte métallique. Voilà. Il y a des œufs aussi. On va faire celui-ci et on sera pas mal. Voilà. Merde, il est emmené où? Mais elle est partie où avec? Ah merde, j'ai pas vu. Ah, il est là, le salaud.
Elle l'a emmené en un sac de détente. Faut faire gaffe parce qu'après ils se mettent dans les setups. Et ça fout la merde. C'est pour ça que j'ai des rushs là. Pour être sûr qu'ils sont bien tous là. Parce que ouais, après ils se mettent un peu n'importe où. Putain, il s'est défait encore. Putain, alors celui-là c'est un. On va ramener les œufs, puis après ce sera bon. Ah ouais, celui-là en fait ils veulent pas le ramener. Hein. Ah mais oui, parce qu'ils sont déjà 20, je suis con. C'est pour ça. Ah c'est de ma faute. Putain, ça c'est. Ce truc de flèche, c'est vraiment débile. C'est bon pour intuitif. Ah et du coup il est où maintenant? si si Artium. C'est bien ma base spéciale débutant. Ah la shit. Donc il se balade dans la nature là. Ah ouais, pas de soucis, t'inquiète. Hein. Alors tu vois, c'est bien là. On le reverra plus tard, je pense. Mais j'aime pas trop quand il se balade comme ça. On va faire les œufs et puis après on va retourner au volcan. Et puis voilà, ce sera pas mal. Patcher ça. Bonjour Théo. On sera pas loin, ouais, je pense Théo. On sera pas loin de l'espace, a priori. Si c'est pas le prochain, ce sera le suivant, mais oui, on s'en approche vraiment dangereusement là, ouais. Oui, surtout que là, je suis proche de l'accès. Donc oui, clairement, ce sera dans ces eaux-là, ouais. C'est juste en fonction de l'acier, là on est à 12 tonnes. Ouais, c'est jouable. À voir. Voilà, comme ça, là, on aura patché le gaz. Ah, yes, voilà. Là, on a un beau waterlock. Bon, là, ça va être un peu moins merdique, c'est bien. Il est où le volcan? Il est là. Juste ça à patcher. Ah bah je vais reprendre la logique du tuto hein. En faisant quelques petites mises à jour, mais la logique principale ça va être celle du tuto. Déjà, on va couvrir la surface avec les portes bunkers. Ah oui, monsieur Vexor. Il me semble aussi avoir vu un ratopier. Oui, t'as raison. Ouais, bien vu. Bien vu, bien vu, merci. Ah, par contre, ils vont tomber.
Bon, ils sont pas à côté, mais heureusement on a les tubes, donc ça devrait être possible. Ah, et dans le biome pétrole, c'est le pire endroit où il peut être. Parce que s'il va se mettre dans mon cuiseur, c'est un peu chiant. Bon, là après, ils sont coincés sur la dalle, mais quand il va pondre, il va pouvoir se barrer. Pas tombé dans le haut, ils ont de la chance. Non, pas d'obsidienne, putain. Voilà, on les chope, très bien. Il y a du ratopier encore là. Pas à voir. Au niveau PQ, ça va, on a ce qu'il faut. A priori, ça devrait être bon. Ok, on va pouvoir commencer à faire le ménage ici. En fait, là, je vais carrément tout cocher, à part les œufs. Et on va se faire un premier grand nettoyage. Comme ça, on va mettre la salle sous vide. Ah, ça, c'est un peu chiant. Je sais plus si ça passait. Ouais, ça va le faire. C'est au chaud point construire la turbine. Quatre volcans de quoi Théo? Magmatique. Comme le Carapoc, pareil, je le ramènerai, j'y ramènerai bien ici, le Carapoc, pas qu'il nous emmerde au portail. Carapoc. Eux, ils nous seront utiles, mais par la suite. Après, enfin, en même temps, c'est con de les descendre pour les remonter. Là, on peut se faire agresser quand ils vont dans le biome. Où est-ce que je peux les mettre, les Carapocs? Je crois qu'on va quand même aller les mettre en bas. Voilà, histoire d'être tranquille. Sur la bouffe, on est sur quoi là? Bah, surtout, c'est un bon. Comme ça, pas de jaloux. Deux fers d'or. Ah oui, clairement. Oula, oui, les volcans métalliques. C'est toujours utile. T'auras jamais assez trop de.
T'auras jamais trop d'or ou de fer. L'or, si tu sais plus quoi en faire, bourre ta base avec ces statues en or. Ça va te défoncer le décor. Ça, c'est un méga boost de décor. Donc, tu vois, si tu sais plus quoi faire tout l'or, tu remplaces toutes tes statues avec ça. Et laisse tomber ton décor, il va imploser. Donc, oui, clairement. Les volcans métalliques sont toujours utiles à setup. Il y a juste le cuivre encore, il est un peu. Et encore. Et sachant que ça sert aussi à ça. Ça sert aussi pour tes stations d'électricité. Donc, non, le métal raffiné, toujours, toujours utile. Tu n'en as jamais assez. Oh, c'est beaucoup plus. C'est vraiment beaucoup. J'ai plus le chiffre. Bah, c'est. C'est 20 plus 50%, mais c'est plus que ça. Oui, si, c'est ça. Bah, ça te fait du 30. C'est 3 fois plus. 3 fois plus puissant qu'une statue de granit. Là, on est à 15. Bah, tiens, on va passer à 16. Pour avoir un éleveur. On n'a jamais assez d'éleveurs sur la carte. C'est chiant, faut que je mette les exos. Alors, je vais d'abord faire l'élevage. Puis aussi, on veut lui mettre un peu d'élevage. La recherche pour qu'ils apprennent leurs compétences plus rapidement. Voilà, une bonne zone sous vide. Là. Alors, il y a encore une bulle de CO2. Ils sont en train de se bastonner à mort là. Ah mais ils ont foutu là toutes les créatures en fait. Tiens le. Les par contre eux on pourrait les ramener. Ah ouais, il y avait une erreur là de flèche. De casting. Ah là j'ai déjà 2-2. On va les mettre. Ouais, ça aurait été mieux de les remettre là-haut, mais j'ai pas de place pour la flèche. Oula. Salut Vincent. Ouais, c'est Galouen, c'est un spécialiste de la statue en or. Déjà 1 heure que je stream? Ah putain, oui, donc ça passe. Ça passe à une vitesse, mais t'as pas loupé grand chose. Hein. En gros, on a mis en place les exosuites. On a relocalisé les râteaupiers, c'est à peu près tout. Ah, ça passe vite. Hein. Je pense que je vais refaire un lock. Pour pas éjecter tout le gaz dans la zone. Ah bah parfait, il se fait tout seul, de toute façon c'est parfait.
Ah, ouais, bah ça, c'est. C'est un peu. Ah, c'est chiant, j'ai du chlore. On va pas y toucher à ça. En fait, mon volcan, je vais le setup là. Ouais, c'est auto-water le quai ici. Tu vois, le biais là, ça bloque le gaz. Et donc, ce volcan, on va pas faire de setup classique. On va mêler ces deux entités. En fait, cette eau. Avec cette eau, je vais refroidir l'or. L'or va vaporiser l'eau saline. Cette vapeur, je vais l'injecter dans une turbine. Et ainsi, le volcan va filtrer mon eau salée. Donc lui, il refroidit l'or. Et lui, il filtre l'eau salée. Ça, voilà, ça varie un peu les setups. On aura deux setups sur le même. Deux setups différents sur le même astéroïde. Ça permet de voir différentes versions de possibilités. Voilà, je finis de faire le vide ici. Ah non, en bas, c'est l'or. Non, ça sert pas à grand chose, Lucien. Sa puissance de refroidissement est équivalente à une plante sifflante. Donc c'est pas très pas dingue ici, moi. L'hydrogène, on va le pomper là, ça me saoule. Je vais le mettre là-dedans, tiens. Ça, on y gérera plus tard. En plus, j'ai déjà une pompe. Ah, remarque, ça aurait été mieux de le mettre là-haut. Enfin, remarque, l'hydrogène, je peux aller laisser là. Et au moins là, ça là. Bonjour, G. T'as 3. Ah bah dommage. Ah, malheureusement c'est pas hyper utile. Ça produit peu. Et niveau refroidissement. Je te dis c'est une plante sifflante, hein, donc c'est pas dinguissime. Ce que tu peux faire éventuellement. Je sais pas s'ils sont proches. C'est mettre des générateurs à charbon genre à côté. Pour un peu les refroidir. Mais c'est vraiment pas dingue. Hein. Ah d'accord, ok, j'ai. C'est pas dinguissime. Ou alors tu peux te servir du CO2 aussi pour faire de l'eau polluée, si t'as besoin de polluer. Ok, donc là c'est patché. On va attaquer celui-ci. Vous voyez là, là c'est loqué. Ça, on a une zone moins grande à traiter. Alors, on va détruire ce gaz. Le setup va être assez petit, hein. Essayer de faire un truc compact. Au-dessus, on mettra les turbines. Je pense que je vais en mettre qu'une. Une ou deux. Ouais, après, on en met deux. Ça mange pas de pain. Hein, mais je pense qu'une sera suffisante. Après, sur la période active, des fois, les volcans peuvent être un peu énervés. Sur la période lissée, on a vu qu'on était à 300 000 DTU. Même pas, on était à. Oui, l'idée, c'est ça. J'ai fait mon équilibre thermique. Donc, pour vaporiser 1 kg d'eau salée par seconde, c'est 123 000 DTU. Et mon volcan produit 112 000. Donc, avec le lissage de la période active, je pense que 1 kg, ce sera bien. Et voilà. Et pour refroidir mon or de 226 à 130.
qui débite à 300 grammes, 350 grammes seconde. C'est une fois sur 12 000 DTU. Vous voyez comment on équilibre? Et pour connaître ça, vous allez sur le calculateur de Geyser. Voilà, vous rentrez les stats. Et vous prenez ce chiffre. Avec ce chiffre. Non, malheureusement, il n'y a pas de, y a pas de calculateur ou de site pour. Toi, tu retournes te ramener là-bas. Pour l'extension, ça n'a pas été fait encore. Non, ça c'est les. Ça c'est les autres zigotos. On va la ramener. Voilà, bah, à part ici, là. Et là, on va essayer de ramener un bleu. D'ailleurs, il va falloir que je le recapture. Si c'est pas fait liquider par. Ah bah tiens, c'est les gloutons qu'on gagnait. D'ailleurs. Et d'ailleurs, les gloutons, on va les ramener. Putain, ils ont buté le. Ils sont énervés avec les gloutons de pêche. Salut Parasitor. Alors on va aller patcher ça là-haut. Oui, possible. Ouais. Ah oui, là c'est vrai que j'avais quitté l'accès. Salut Sacha. Et en effet, il y a pas mal d'anciens joueurs qui attendent la release pour de l'extension pour s'y mettre. Est-ce que je peux comprendre? D'ailleurs, j'ai commencé en off. J'ai fait quelques petits cycles sur la nouvelle astéroïde Arboria version Space Out. C'est excellent. Franchement, parfaite la map. Hein. Pour justement pour ceux qui cherchent une map équilibrée, elle est au top. Hein. Vraiment. Les premiers cycles, c'est un petit peu hardcore. Cycle 1 à 10, on souffle un peu. À cause du manque d'oxygène, il y a très peu d'oxydite, il n'y a pas d'algues. Donc c'est comme sur Arboria en fait. On tient un peu la langue et après ça va tout seul quoi. Elle est ni trop chaude ni trop froide, non, elle est bien, hein. C'est une bonne map. Hein. Donc elle sera bien pour ceux qui veulent, qui débuteront sur Space Out et qui veulent pas trop galérer. Il est con, c'est quoi ces dents, je te jure. Ok, va pas trop loin. Ça va, j'aurais pas besoin en dessous de ça, j'ai pas besoin d'y miner. Le sol, il va s'arrêter là. Alors, on a juste à faire une injection d'eau là sur le sol. Après, pour les fusées, il n'y a pas trop besoin. Mais c'est vrai que pour le reste, pour la nourriture et pour. Il y a beaucoup de nouveaux aliments en plus. Hein. Pour la nourriture et pour. Quoi d'autre? Et pour les DTU. Après, les DTU, c'est facilement calculable. Genre pour le soufre, la matière existe déjà.
Le tungstène aussi, c'est déjà listé. Donc pour les DTU, vous pouvez vous débrouiller. Hein. C'est surtout pour l'alimentaire, en fait, que ça pourrait être intéressant de l'avoir. Et ouais, et genre mettre en fonction si tu fais de l'agriculture divergente et tout. Vous voyez, en fait, il faudra rajouter. Tac. En termes d'agriculture. Parce qu'il y a pas mal de nouvelles choses. Il y a d'autres options. Là, en termes d'options. Mais attendez, on est sur food. Et là, il a rajouté fertilisant. Vous voyez, parce que si vous fertilisez, vous avez besoin de moins de plantes. Et là, il faudra rajouter une case divergent qui augmente de 50% la vitesse de pousse. Et donc, vous pouvez réduire de 50% vos plantes. Il faudra rajouter toutes les nouvelles recettes. Les gros fruits, les cactus, enfin, toutes les nouvelles conneries. Et donc, voilà quoi. Au purée, pour me dire après, c'est pas grave. Donc là, je fais du vide. On essaye en tout cas. Voilà, après, ça va aller vite. Ah, qu'est-ce qui est hors d'usage? Ah oui, putain, ça me saoule cet hydrogène là. On va faire un filtre. Je vais refaire un filtre low cost. C'est incroyable ça quand même. Là on va refaire un low cost. On va le mettre genre là. Pour enlever les bulles résiduelles d'hydrogène qui viennent péter nos exosuites. Ouais, c'est mon filtre mécanique qui est trop plein. Et du coup, il y a quelques petits couacs. Voilà, comme ça sera réglé. Voilà. Plus de risque de que ça bug. Vous voyez? Petite bulle d'hydrogène là, rien. Et hop, on la sort. Voilà. Ça, comme ça s'ouvre et ça sort. Voilà, bonsoir Fridiane. Tiens, bah tiens, ça va peut-être te donner des idées pour ta carte à multi-geyser là, Fridiane. On va marier les deux entités. Le volcan d'or et le geyser de Saline. Je vais faire un setup mixte entre les deux. Ah, c'est bien, ça remonte un peu le pétrole. Le cuiseur, il fonctionne à merveille. A tout de suite, hein, quand le cuiseur est pas sur trois astéroïdes, et pas réparti sur trois astéroïdes, comme sur l'extension, ça marche beaucoup mieux. Ouais, en plus, il va être hyper simple, un bon setup. Efficace, je sais pas, mais en tout cas, il va être simple. Voilà, donc là pour ceux qui arrivent, on a remis les exosuites ici, on a dégagé les ratopiers ici.
Ouais, c'est sûr. Mais bon, après, c'est fun de tester, hein. 5 tonnes 6 de verre, ça commence à être pas mal. 5 tonnes 6 divisé par 200. Divisé par 200, on est à 28 panneaux solaires. 28 panneaux solaires. Je suis pas hyper fan de la méthode triangulaire, mais bon. On fera peut-être ça, j'hésite encore, on verra. On va être comme ça. Sera quoi à la louche? Ce sera à 27. 27. Si j'en mets 6, ça m'en ferait 30. On pourrait arrondir à 30. Il m'en faudrait encore 400. J'ai 30 panneaux solaires, c'est pas mal. Ah là, on a déjà plus tard, et on va le faire, on galère. Il est vraiment temps que je fasse mon volcan. En fait, le plus long, c'est de faire le vide. C'est le pire. Bon, je pourrais le faire avec des pompes, mais ça me fait chier de après tout recasser les câbles, les tuyaux, les pompes. En fait, là, j'ai plus de temps, je suis pneumatique. Ah, lui, ça va être bon. On pourrait faire une cascade de Escher. Ah oui, ça serait intéressant, tiens. Là, pour le coup, on est quand même à haut cycle. On peut commencer les trucs un peu tryhard. Lui, je peux lui faire une Escher, comme ça, double cascade de Escher. Et on envoie de la flotte ici. Ça, on aura trois setups. Alors lui, il va pas lui falloir grand chose. Après. Je sais pas si je le raille ou pas. Si je fais une valve. Voilà, comme ça là on est sous vide. Yes. On va essayer de faire tout faire tenir là-dedans là. Ça, je vais quand même y miner, mais on y sera sous vide. Voilà, on les enclave bien. J'ai pas besoin de l'analyser, mais pause parce que j'ai les stats via le site de Seed, mais bon,
Après, en plus, il est en pause, donc de toute façon, on va éviter. Donc là, on aura la turbine, là où les turbines. Mais je pense que ça va être les. Voir. Pourrait taper comme ça. L'hydrogène au-dessus du sable. Ah oui, mais sur les turbines, je vais faire par au-dessus. Hein. Merci. Hein. Oui, t'inquiète, merci. Oui, merci, Bugbacker. Là, ils pourront pas les construire. C'était juste pour visualiser, mais merci. Là, ça fait chier, ça. Ah bah ça j'imagine c'est des trucs un peu piégeux. Bonsoir MJ. Voilà, on fait un bon nettoyage. Oui, en plus c'est bien, ça va mettre de l'hydrogène, ouais. Ça c'est cool. Ok. Ah, il est un peu énervé le volcan. Marc, c'est bien, c'est pas mal de faire un petit stack de bassin. Soit c'est pas si mal. Je sais pas si j'ai patch ça. Donc toujours le matériau au contact, obsidienne. Voilà, c'est trop loin. Il y aura très peu d'échauffe. Ouais. Tu me diras, voilà, t'as tout qui va passer. Non, je vais enlever ça. Mais j'aurais plutôt mis de la céramique. Globalement. Allez, il y a déjà 13 tonnes d'acier, ça débite, hein. Ouais, donc je pense qu'au prochain stream, on pourra envisager l'espace gentiment.
Ouais, t'as vu, c'est cool, hein. Il est encore améliorable, hein. Tu peux l'optimiser avec les bacs de stockage intelligents pour réguler ta production. Mais t'as déjà une bonne base, là. Ouais, je pense que je vais balancer l'eau là directement comme ça. Genre comme ça. Ouais. On la met là, l'eau. On la fait couler ici. Pas besoin de pompe. Sur la pompe, c'est eux. Ouais, par exemple, tu vois, pour réguler ta production de charbon raffiné, tu peux utiliser ça. Mais c'est vrai qu'on l'utilise assez peu. Alors comme ça. Comme ça. Et comme ça, tu l'automatises. Tu lui dis, bah, dès que le stockage est plein, bah, t'arrêtes de produire. Et ça, tu peux le 100% automatiser. Hein. Le bras peut le livrer de façon automatique. Donc ça, tu peux y mettre dans une salle fermée. Tu vois, le truc full automatisé, c'est ça. Pardon. Ça. Voilà, et ça, tu peux y mettre dans une salle fermée. Voilà. Et full automatisé. Et t'arrêtes d'en produire quand lui, il est plein, par exemple. Bien sûr, tu mets aussi un truc comme ça pour récupérer la ressource. Et tu peux faire pareil avec l'acier. Dire qu'une fois que tu as ton acier, tu peux arrêter de produire. Non, mais tu mets un refroidissement. Tu fais passer ta boucle de thermostat à l'intérieur. Merde, c'est pas ça que je voulais vous faire. Tu fais passer une boucle de thermostat à l'intérieur, c'est pas grave. Tu vois, là, ta boucle, tu vois. Là, j'avais fait un sol isolé, mais c'était juste pour l'exemple. Hein. Tu fais ça. Ça. Ta boucle de thermostat, tu la rallonges ici. Tu mets ton bidule dessus, voilà. Pas de problème de surchauffe. Et comme ça, tu peux le mettre dans une salle fermée, full automatisée. Ok, ouais, céramique, ce sera mieux. Voilà, pas très bien. Ouais, pas de souci. Sur toute machine, pour les refroidir, c'est toujours thermostat turbine, hein, te casse pas la tête. C'est toujours le même cercle. Yes. En fait, tu sais quoi? Ah ouais. Ouais, ça c'est pas mal, mais on pourrait déjà commencer avec ces tours en fait, en vrai. Déjà, on va faire le reste. On va faire un truc propre. Alors là, par contre, c'est full acier. C'est plus confortable. Ah ouais, faut quand même qu'il ait accès à la ressource. Ça peut servir. Donc voilà, il met le truc dans le stockage. Ça permet de mettre sur le rail. Par contre, le rail. Ah, le rail aussi, je le fais en acier pour être tranquille. Voilà. Par contre, la vanne. La vanne. On va la caler là-haut. On peut la caler là, genre là. Le point le plus chaud du volcan aussi, ici.
température. Alors, on s'en fout l'acier. Sur les peinards. Donc comme ça voilà mon or va boucler sur le rail. Alors après ce qui est là ce qui est chiant c'est que c'est l'histoire toujours des ponts. Et ça sort dès que c'est refroidi. Tac. Oh ouais, non, c'est un peu short là. Un petit peu short. J'ai mélangé directement de l'acier, donc on va taper sur l'acier. Mais ça aurait pu passer en... Ça aurait pu passer... En fer. Ah ouais, attends, là le fer va se calmer. Ah, j'ai que 100 kilos. Putain, quelle galère sur le fer. Ils sont pas cochés là-bas, là-haut les gloutons là. Ah, ok, ça commence à bien se lancer là, les gloutons. Ouais, on va retourner sur l'or. Alors, moi j'aimerais bien tester quand même mon rail. Avec ça. Attends, sauf que là, j'ai pas encore tout en place. L'eau, je veux d'abord la faire passer là-haut. Et elle viendra d'ici. Ouais, elle viendra de la droite. Par une foule céramique. Avec le rail, on a un risque d'échange, mais avec la céramique, ça devrait aller. Voilà, et là on va se faire l'accès là-haut. Ou alors j'injecte. J'aurais bien fait tomber l'eau dans le bassin. Ouais. Ça me fait craquer la pisse vite. Ouais, donc on va laisser là-haut. C'est-à-dire, on va laisser tranquille là-haut. On va refaire un petit peu de, ouais, un peu de céramique. Jamais assez.
Lui, ça va être classique, hein. Pas juste faire de la vapeur. Mais ouais, les deux cumulés, ça va être intéressant. Sachant que lui est plus puissant que lui, en fait, en termes de refroidissement. Lui, il produit plus de refroidissement que lui ne produit de chaleur. Donc je vais même devoir le brider, en fait. Et lui, en plus, je vais pouvoir refroidir les turbines avec. Donc on est à 95. Ça maintient les turbines à 95. Et d'ailleurs, ça me fait penser que... faut aussi une sortie pour les turbines. Bah non, mais on aura place. Bah oui, je peux mettre les deux eaux. On peut mélanger les deux eaux, ouais, de toute façon. Il a l'air d'être bien énervé, lui. Donc là, on boucle tant que c'est supérieur à 130. On voit, voilà, on envoie un signal vert que si c'est inférieur à 130, ça on sort la ressource. Là, vous voyez l'idée en fait, c'est qu'on ramasse l'or, on le met ici, on le met sur le rail, et ça boucle sur le rail. Et tant que c'est pas inférieur à 130, ça boucle. Là, je sais pas, je crois qu'il faut un deuxième. Ouais, pour bien boucler, je crois qu'il me faut un deuxième pont. Faut bien que ça tourne. Pourquoi faut pas les mélanger? Ah, bah oui, t'as raison, les éthiques. Bah oui, t'as raison. L'eau des turbines, je vais la récupérer pour moi. Oui, t'as raison. Oui. Tout à fait. Après, oui, si t'as raison, ça fera un excès de vapeur après. Non, c'est que j'ai tellement. En fait, je me disais, j'ai tellement d'eau que. En cuve, là, c'est pas terrible. J'arrive plus à annuler, super. Ah ouais, non, mais il y en a qui suivent, c'est bien, quoi. Ah bah oui, non, c'est pas tout à fait la même chose, ouais, ça c'est sûr. Heureusement d'ailleurs. Après tous les jeux compétitifs, hein, c'est toujours le problème. Hein. Je pense que c'est plus lié à la compétitivité qu'au jeu en lui-même. Ouais, ça on peut le laisser comme ça. Là, je remuerai ici. Ah oui, d'accord, ok. Non, mais après, ça va pas poser un problème majeur en soi. Ah, j'adore ça. Vorbach c'est bien la cible, va nous permettre de tester le rail. Alors on va mettre un petit transfo par là. En tout cas, c'est compact. Hein. Après, je vais mettre un capteur dans la salle pour donc pas arrêter ma valve, en fait, pas arrêter ça. Ouais, c'est ça, on fonctionne tellement de façon automatique.
Il y a tellement des automatismes que après voilà. Sur un hydrosensor, sur un hydro, thermo, les deux sont valables. Je pense que je pourrais mettre un hydrosensor là. Ouais, plutôt hydrosensor. Et en gros, tant qu'il y a de l'eau, enfin, tant que je dépasse pas un niveau d'eau, je continue à injecter. Mais si je dépasse un certain niveau d'eau, bah, j'arrête d'injecter. Parce que là, le but, c'est pas tant de produire beaucoup d'eau, en fait. C'est surtout d'avoir un refroidissement actif. De l'eau, je vais plus savoir quoi en faire. Donc, je cherche pas un gros débit d'eau, en fait. Là, je cherche surtout un gros refroidissement. Voilà, là c'est bien, on va pouvoir tester le. Ah, dommage, il me reste un câble. On va pouvoir tester le rail, voir s'il fonctionne bien. La boucle. On va juste désactiver ça. Voilà, celui-ci, ça va être à peu près la même chose. Sauf que, bah, pour le coup, la vapeur, on la laisse en boucle. Mais toujours pareil, le rail à l'intérieur. Et on fait tourner la ressource. Jusqu'à complet refroidissement. Alors, fais voir. Ouais, parfait, ça boucle. Voilà, vous voyez comme ça, la ressource boucle. Et aussi, ça se refroidit. Et dès que c'est assez froid, ça sort ici. On va mettre des petites plaques de régulation pour bien. Pour bien diffuser la chaleur. Et dès que sa température inférieure à 130, on sort les ressources. Tac. Là, on va être parfait. Hein. Donc ça, le signal, on le récupérera en dessous. Signal vert, si inférieur à 100 kg, on va dire. Il est assez énervé. Alors pour lui, on va lui rendre visite. Pas que c'est trop le bordel. Ça fait chier que ce soit actif parce que. Je l'aurais bien enfermé.
Et je veux pas péter le vide là. Ou je passe par là, ouais, je vais passer par là, c'est pas grave. Ça va re-water le quai en plus. On va faire une échelle naturelle. Voilà, comme ça on se fera pas emmerder. Vous allez voir si ça va s'auto-loquer. Et le chlore va rester ici. Voilà, là on a deux locks ici. Voilà, vous voyez le chlore reste ici. Ça on se fait pas emmerder. Et on va pouvoir commencer à aller voir notre zigoto. Salut Jérémy. Alors, oula, tu t'attaques à un gros sujet là. L'automatisation des bouffettes. Alors déjà pour te donner une idée, je fais juste une petite pause. Tac. Attends, merde. Ah putain, bien sûr, j'ai pas le bon truc. Voilà, t'as un exemple de salle qu'il faut automatiser. Son prince, il le met où? Voilà, tu vois qu'il y a un prince dans la salle. Après, je suis pas ultra fan. Il y a ça. Ah, il y a celui-ci qui est un petit peu mieux. Mais donc, tout ça pour te montrer que c'est assez hardcore. Tu as celui-ci pas mal. Donc en gros, tu vois, il piège le prince ici. Et sa salle de bouffette, c'est là. Mais pour faire plus simple, donc si vraiment tu veux full automatiser, le plus simple que je te conseille, c'est de faire deux salles virtuelles. Attends, il me faudra une zone libre. Ouais, genre là. Je vais te faire un schéma vite fait. C'est un setup que j'ai jamais fini, qu'il faut que je finisse un de ces quatre. C'est ultra complexe. En fait, l'automatisation des bouffettes, ça va te prendre la page entière. Hein, pour automatiser tout l'algorithme. Donc, en gros, tu fais une salle comme ça. Je suis très schématique, hein, je te laisserai refaire les dimensions. En fait, en gros, l'astuce, c'est comment. Attends, là, ouais, non, là, il passera pas. Donc ces deux salles. Tu vois, c'est une salle d'élevage virtuelle. En fait, tu vois, le cumul de ces deux salles ne doit pas dépasser 96 mètres carrés. Là, tu mets ton prince. Là, tu mets tes bouffettes classiques. Et les bouffettes ne peuvent pas passer à travers le waterlock. Mais les bouffettes ici peuvent voir les créatures à travers le waterlock. Donc elles vont voir le prince. Mais elles ne pourront pas le rejoindre. Donc comme ça, tu peux vraiment distinguer. Et pourquoi je distingue les deux créatures à part? Parce que comme ça, quand tu as de la viande, ça te permet d'identifier quelle créature est morte et quelle créature il faut remettre. Donc dès que le prince va crever, eh ben, tu ramasses la viande avec un bras. Tu mets cette viande ben justement dans un stockage intelligent. Et ainsi. Ça te dit, signal vert, le prince est crevé. Ça te permet en fait d'avoir le signal de la mort du prince. Même cirque ici.
avec un autre stockage. Et comme ça, dès que tu as une bouffette qui est morte, tu ramasses la viande. Et là, ça t'envoie un signal. Une bouffette est morte. Et ainsi, t'as déjà tes premiers signaux. Mort d'un prince et mort d'une bouffette normale. Ensuite, autre signaux récupérés. Les œufs. Donc là, même pareil, encore un autre bras pour les œufs. Enfin, non, pas. Voilà, donc un stockage, ça pour la viande, ça pour les œufs. Après, pour les œufs, il faut un filtre pour trier tes œufs. Tu peux aussi utiliser les capteurs pour capteurs de rail pour utiliser des signaux. Et donc, tous tes œufs de prince, tu les mets ici. Enfin, tu gardes genre un œuf de prince ici. Tu fais un abattoir pour le reste. Ici, tu mets une porte. Dès que ce prince est mort, tu ouvres cette porte. Donc ce signal, tu le récupères ici, tu ouvres la porte. Comme ça, le prince qui était ici, eh ben, il monte ici. Après, il faudra refermer la porte avec l'automatisation. Donc il faudra rajouter un capteur de créature pour dire cette porte est fermée s'il y a un prince ici. Ah oui, mais par contre, non, ça va pas être bon. Non, parce que le capteur, il faut le mettre ici. Faudra fermer la porte dès qu'il n'y a plus de créature ici. Donc tu vois, tu mets ton capteur ici. Pareil ici. Et voilà. Voilà, en gros, je ne vais pas trop faire toute l'automatisation, mais en gros, voici la logique que je te conseille. Ça, c'est si tu veux livrer automatiquement les créatures et gérer les populations, identifier quelle population meurt. Quelle population survit? Voilà en gros l'idée de base principale. Ça, c'est si vraiment tu veux te faire chier. Si tu veux pas te faire chier, t'as un tuto sur la chaîne que je vais te montrer. Et par contre, il faudra gérer les bouffettes à la main. Les populations à la main. Tiens, je vais te montrer le truc. Voilà, c'est ça. Voilà, le setup, c'est ça. Ça produit de l'oxygène pollué aussi. Voilà. C'est ça, donc au choix. Mais crois-moi que l'algorithme pour automatiser les bouffettes, ça prend une page entière d'automatisation. Hein. C'est hardcore. Là, tu vois, le joueur, il a tapissé sa salle d'automatisation. Si t'as tellement de conditions de... il me faut un prince. Première condition remplie. Puis, pour tous les autres princes, j'enregistre une autre condition. Puis, pour présence, donc compter avoir un intervalle inférieur à 1, entre 1 et 0. Pareil pour les autres. Enfin, tu vois, tout ça te remplit la page, ça te remplit ta salle d'automatisation. Tellement tu as de conditions, de sous-conditions, d'autres conditions. Enfin, c'est les décortiques, comme je te l'ai présenté avec la salle, et tu vas trouver ton truc. Je te conseille d'y mettre sur papier aussi. Fais-toi un Word avec toutes tes conditions, qui sont par exemple d'avoir au moins un prince. Si t'as un prince, quelles conditions ça en découle? Si t'as pas de prince, quelles conditions en découler? Enfin, c'est un bordel infini, quoi. Je crois que c'est la créature la plus difficile à automatiser, en fait. C'est faisable, mais c'est hardcore. Enfin, c'est du boulot. Et j'avais commencé à faire une automatisation. Mais j'avais encore quelques petites erreurs, quelques petites séquences où mon algorithme en fait n'était pas complet. Tellement il y a d'embranchements sur l'arbre décisionnel que voilà, mais j'étais arrivé à quelque chose de pas trop mal. Donc c'est pour ça que j'avais pas encore fait la vidéo, mais ça ne serait. Ouais, je la fasse, ça ne serait tardé, je pense. Attends, je vois juste un truc pour la cascade de Escher. Si j'arrive à retrouver le setup que je voulais, voilà, ça c'est pas mal. Ouais, au double Escher. C'est simple et compact. Donc là, il se bloque ici. Donc le concept c'est là.
Je vais vous réexpliquer hein, cascade de Escher, pareil vous avez le tuto sur la chaîne, mais en gros, on crée un mouvement perpétuel. Pour forcer le liquide à se comprimer. Et ainsi avoir un stockage hyper compact. En plus, c'est super joli. Ouais, donc il est là. Il y a Reos ici. Voilà, et on met des dalles ventilées pour pas que ça pète. Sinon le sol il pète sous la pression. Voilà, on va désenclaver ça. Là-haut, ça on le fera vraiment au dernier. On va y avoir accès. Ouais, ça va être pas mal. Ça par contre on peut l'analyser si on veut. Le volcan c'est un peu aux F, mais ça on peut toujours. Voilà, comme ça vous aurez eu trois setups sur le même stream. Alors, yes. Et avec un peu de chance, on a peut-être les deux gaz, hein, je sais pas. C'est quoi ça? Non, il n'y a pas de gaz, il n'y a que l'hydrogène. Bon, il y a déjà l'hydrogène, c'est déjà pas mal. Décalage entre les deux portes? Non. Oh, c'est good. On va se verrouiller ces portes. Et ça, attention, on va pas le miner tout de suite, sinon il va se coincer le dupe. Ouais, ça va y arriver encore à passer. Ça, on va le dégager. Elle est coincée. On va réfléchir. Ça pareil, on peut le verrouiller. Non, pas tout de suite en fait. Non, je vais. Faut que je fasse le sol là. Putain, c'est chiant, c'est. Remarque, non, ça, attends, je vais pas le miner. J'ai deux espaces. Ah oui, d'accord, ok, je vois ce que tu veux dire. Oui, t'as raison. Si, si, oui, t'as raison. Oui, il y a un bug là. En effet, mon mur est trop. Oui, c'est à cause de ça qu'il m'a dit en erreur. En effet. Voilà, s'analyser. Sachant que ces portes, c'est bien sympa, mais. Merde, on l'a coincé. Ouais, on l'a bien, bien coincé. Ouais, ça va être sympa, mais pour casser le la bulle, ça va être plus costaud. Là-bas, ça va aller, mais
C'est pas la plus simple, cette cascade. En fait, il faudrait avoir accès au par le dessus. Là, on a des CO2, ça c'est pas bon. Tiens, cette bulle, on va la patcher. Après, tu me diras, je peux faire ça, je peux faire plus simple. Je peux juste faire une cascade à droite. Lui, il a fait une cascade double. Justement, il en fera à droite, hein, parce que c'est la tête. Comme ça, ça va moins vous embrouiller en plus. Donc là, il faut que je rajoute une bulle de gaz. Ça pour l'instant on va y laisser ouvert. Et limite. Limite on va serrer la blinde là. On va mettre la pompe ici. Par contre, j'aurai besoin d'une valve. On va valver ici. C'est dans l'idée, ça va repasser par là-haut. Parce qu'il faut pas que j'envoie trop d'eau, sinon ça va noyer le volcan. Il n'arrivera pas à gérer tout le froid de l'eau. Faut pas que non plus je le surexpose. Ça, c'est pour éviter que l'eau coule de là-haut. Donc, la valve. J'avais dit combien? 1 kilo. Par contre, c'est con que la valve de la mettre à l'extérieur. Enfin, de la mettre à l'intérieur, c'est un peu con. Tu me diras. Ouais, les valves à l'intérieur, c'est un peu débile. Vraiment être sûr de son coup. Mais globalement, essayer de les mettre toujours, de les extérioriser, les valves. Là, je vais fermer ici. Et la valve, on la mettra par là. On va faire la valve automatisée aussi. Mais qui pour le coup, je vais peut-être la mettre plus proche.
Parce que je veux passer devant une turbine. Et tu vois, si je mets à gauche, je vais buter directement là. Je vais déjà faire le tour comme ça devant une turbine. Et voilà, refroidir la turbine comme ça. Si ça c'est bon. Donc ça pour l'instant on va rester à 1000. Ça va être serré l'autre setup. Hein. Valve auto. Non, parce que l'arrivée est ici. Non, mais là, je peux. Ah oui. Ah oui, tu veux dire, c'est où ça va stack? Est-ce qu'en effet ça va stack à 10 kilos? Ouais, mais je m'en fiche, c'est pas un truc à. Je vois ce que tu veux dire, mais là en l'occurrence c'est pas grave, c'est pas impactant. C'est, on n'est pas à 10 kilos de précision, c'est pas un truc de haute précision. Hein. Mais en effet, si on cherchait la précision, ce serait plus intéressant. Là c'est vraiment à la louche, hein. On y va. Mais en effet, de principe, ta logique est bonne. Quand tu cherches un flux précis, en effet. Si on garde l'accès à la valve, on va ramasser ça. Ça, je vais y patcher ce gaz. Voilà, comme ça, on réinitialise la cascade de Escher. Là, et là, l'automatisation, elle est là. On peut aussi automatiser la valve. Vraiment de principe, hein. Il n'y a pas de nécessité en soi, mais juste pour garder un contrôle minimal. Et par contre, ouais, il faut que j'aille patcher en dessous. Pas que j'envoie une bulle de gaz dans ma cascade.
Lucien, je te redonne le chiffre. Vous avez tous les chiffres sur le tuto. Mais attends, je vais te le redonner. 56. 56 degrés. Là, on va mettre. Ah, mais après, pour les bulles, ça va être relou. Alors, attends, on va faire qu'on fasse comme ça. Comme ça. Et comme ça. J'ai pas de gaz là. Si, hein. J'en ai mis 3 en fait. Ah bah yes, j'ai pété le vide. Je sais pas comment j'ai fait. Super. Ah putain, on a stocké le chlore ici. Super. C'est magnifique. Allez, pourtant c'était surloqué, mais non, on a quand même réussi, hein. À casser ce satané vide. Ah ouais, bah ça, c'est la base, hein. Ça, c'est vraiment la base. Ah ouais, c'est la soute que j'ai mis là, comme un con. Quelle galère. Laisse tomber, on peut se prendre la tête, ça. C'est vraiment le truc obligatoire. Quand je fais un setup, c'est de péter le vide. Si ça marche mieux, mais là je vais pas avoir la patience. Le prix de soude. Ah oui, donc là, je voulais faire un dalle. Maintenant, on va le faire par là. Non mais le bloc je m'en fiche complètement.
Voilà. Donc là, voilà, j'ai bien une bulle d'hydrogène, c'est parfait. Et notre petite bulle de chlore, là, je l'aurais bien mis à 16 grammes, c'est un peu rush, hein. On va en mettre une autre. On va taper là-dedans. Pas prendre de risque, parce qu'elle fait destruction de la matière. Donc là, vous voyez, ça c'est le principe de cascade de Escher. Il faut mettre deux gaz en verticale. Et ça va créer cette cascade. Il faut un waterlock, puis ces deux gaz. Ah, non, plutôt l'arbre. Un parasiteur en endgame aussi. Tu vas en manquer. Oh, ça va assez vite. Dans mon malheur, ça va encore. Et bah, par contre, il y a la soute qui est là, c'est génial. Ah bon, elle a pas l'air d'émettre. On va laisser là gentiment. Voir qu'une fois sous vide, ça va réémettre, mais bon. Je pourrais presque la faire tomber ici directement, pas que ça nous emmerde. La soute est loquée, le gaz n'aurait pas remonté. Voilà, là on fait une bonne bulle de chlore. Vous allez voir, ça va être très imagé comme setup. Voilà, très bien. On va fermer ici. On ramasse le bazar. Ah, si en fait vraiment tout bon, ça m'a remis de la soude, donc c'est pas grave. C'est pas très grave. J'étais un peu loin, on peut fermer ici. Hein. Le but de chlore. Ah oui, ça là. Oh, ça doit pas poser problème. Bonjour Michael. Je ramasse tout ce bordel. Bon, on va laisser bosser ici, on va attaquer là-haut. Ah oui, ça n'a rien avancé, ok. Ah, c'est chiant, ça met plein de ressources quand on... Voilà, et quand je vais casser ces deux bulles ici, ça devrait créer une cascade de Escher.
Et si j'avais voulu bien faire, j'aurais mis mon waterlock ici. Bon, pas mon waterlock, mon... ouais. Ça peut casser la cascade. Ouais, idéalement, le capteur hydro, vaut mieux le mettre là. Pour maintenir cette colonne d'eau, en fait. Et de gaz. Donc une dalle, ce que je me disais pour le gaz, ouais, c'est bizarre. C'est un peu remonté là sur le fer. Ok, là on a fait le vide. Ah, il y a encore d'un coup qui nous embête. Ça devrait suffire. Au-dessus de la porte, ouais. Non, c'est normal, c'est bloqué ici. Le CO2, il tenait. Hein. C'est bloqué ici. Normalement, c'est bon. Alors. Ouais, attends, tu vas voir. Ouais, donc ça se retrouve. Voilà, vous avez deux gaz. La reconduite. Un léger. Ah putain, je suis planté. Non, si, c'est bon. Attends, oui, non, c'est bon, c'est plus léger. Un léger, un lourd. Ah bah oui, t'as raison. Ah bah ouais, putain, je suis débile. Eh oui, la bulle, elle est là. Donc voilà, ça c'est fait. Chaque fois, je me fais avoir. Attends, ça va pas y arriver. Ça, il faut avoir la conduite d'eau. Ouais, ok. La conduite d'eau, c'est n'importe quoi. On recommence. En effet, il faudra une dalle ici. Un couloir de deux cases. L'envoi d'hydrogène. Ok, c'est bon.
Là. Donc là, c'est la première bulle du haut. Toujours le gaz le plus léger d'abord. Voilà, donc là, comme ça, on piège l'hydrogène ici. Et ensuite, le gaz plus léger, le gaz plus lourd. Et vous allez voir ce qui se passe. Là, là, on voit pour l'instant l'eau est stable. Et voilà. Et là, on crée une cascade de Escher. Ça crée une sorte de mouvement perpétuel. Et la condition, c'est ça, deux gaz. Un léger, un plus lourd, un couloir de 2 et un waterlock à l'entrée et à la sortie, enfin de l'eau, quoi, présence de liquide en entrée et en sortie, et on crée ce mouvement perpétuel, et comme ça va comprimer le liquide dans la salle. D'où la présence de la dalle ventilée et des portes pour pas que ça explose. Vous avez le tuto sur la chaîne, sur la page d'accueil. Voilà, vous voyez ce mouvement perpétuel. Ah ouais, système de tungstène. Ah, c'est balèze, hein. Ils veulent pas le casser, ce truc là. C'est bon, ils nous ont refait le vide. Ah, c'est chaud. C'est bon, je ferme la porte. Si j'ai accès. Ah non, peut-être pas. Je crois pas que je vais avoir le temps. Ah, si on marque pendant encore 1 heure, ça peut passer. Voilà, on ferme le bassin. Et là, on est setup. Donc là-haut, pas besoin de protéger. Il n'y aura pas de compression. La compression se limite au bassin du dessous. Salut Renouz. Ça, on a un bassin tout compact. Alors, lui, il est full setup. Maintenant, on va faire la partie haute. Donc là, ça va être beaucoup plus à l'arrache. Salut J et M. Là, ça va être beaucoup plus à l'arrache.
Alors, je laisse 4 à chaque fois. Là. Ouais, cascade de Escher, Renouz. Avec deux gaz comme ça, et deux waterlock, tu crées un mouvement perpétuel. Ah, il est vraiment énervé le volcan. Ah, donc là, pas de waterlock, on se prend pas la tête. Cette eau va nous emmerder, on va les mélanger, de la base déjà mélangée. Ça va rush un peu de setup. On va finir celui-ci puis après on ira faire l'autre. Ça on se concentre sur un seul et même setup. Ça sera plus efficace. Ouais, c'est sympa, regarde. Là, ça crée un mouvement perpétuel. Il faut que c'est ces quatre conditions. Un waterlock avec un couloir de deux cases comme ça. Une autre présence de liquide ici. Un gaz léger, un gaz lourd. Et quand ces quatre conditions sont réunies, ça crée un mouvement perpétuel. Que tu peux parfois observer d'ailleurs à l'état sauvage aussi. Ça arrive qu'à l'état sauvage, ça se forme tout seul. Tout comme les duplicants qui se coincent. Ça permet de déplacer un liquide sans pompe. Et là, tu vois, si je voulais le comprimer, il me faudrait une pompe ici pour le mettre dans le stockage comprimé, alors que là, il y va tout seul. Ça te crée une valve anti-reflux. Et tu peux aussi déplacer du liquide en vertical par surpression. T'as ça, et comme troisième utilisation, tu peux faire un cuiseur à pétrole. En counter flow. Ouais, tu gagnes 250 watts, mais c'est pas tant pour ça, c'est aussi pour la beauté du setup en fait. Sur les watts à journée, c'est pas vraiment le problème. C'est que j'aime bien en faire. Et tu peux aussi faire des cuiseurs à haut débit en counter flow. Assez vénère. Avec la cascade de Escher. Voilà, sans canalisation. Le mec, il débite à 50 kg, 90 kg seconde. Là, il raffine 90 kg de pétrole par seconde. Avec une double cascade de Escher, un double counter flow. Donc en fait, son pétrole brut, il descend. Donc ça, c'est classique. Par contre, son pétrole raffiné, grâce à la cascade de Escher et à la surpression que ça génère, eh bien, il fait remonter son pétrole raffiné à contre-courant qui va toucher le pétrole brut et ça préchauffe le pétrole brut. Et voilà. Et ça permet de faire du très haut débit. Ça, il l'a fait sur Oasis où il avait 30 ou 35 puits à pétrole, je sais plus. Voilà une des utilisations de la cascade de Escher. Assez énervé. Donc ça c'est ce setup. Et si vous voulez le tuto. Ah, c'est extrêmement hardcore. C'est horrible à mettre en place. Mais néanmoins, il y a MathManiCal qui a fait un tuto. Attends, oui. Ouais, il y a quand même MathManiCal qui a fait un tuto, c'est un gros théorie-crafter du jeu. Lui, il a fait une autre variante en verticale comme ça.
En horizontal, je veux dire, sur un étage. On voit pas très bien, je vais essayer de zoomer un peu. Oui, voilà. En haut, le brut, en bas, le raffiné. Et il a fait un tuto. Voilà, un guide pas à pas. Voilà. En fait, il pré-crée ses micro-waterlocks avec des canalisations. Il dépose ses deux gaz. Pareil, il met ses gaz en canalisation. Et il casse. Voilà, donc ça, c'est pour les waterlocks. Et après, vous cassez déjà les liquides. Vous cassez les gaz. Et comme ça, tout est pré-installé. Les micro-waterlocks et les liquides sont déjà pré-installés. Donc ça facilite un peu la mise en place. Ouais, il suffit de descendre dans le setup ou sinon c'est l'accès direct. Non mais justement, JM, suivez le setup de Matmanican. Vous devrez mieux vous en sortir, je pense. Si vous voulez tester. Vous mettez tout en canalisation. En fait, ce waterlock, vous le faites comme ça. Vous mettez une canalisation, vous faites de goutte à goutte. Donc comme ça, vous canalisez, vous mettez des pompes pour leurrer la pompe. Tac, un ici. Vous faites la même chose ici. Pour les gaz, vous faites ça. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Bon, avec les trucs là, comme ça, le bordel là, comme ça, là, tac, tac. Et voilà, vous pré-setup tout ça comme ça, et après vous pétez tout. Donc d'abord les liquides, ici et ici pour waterlock, double waterlock. Ah merde, oui, putain, il y a la scène. Donc je montrais comme ça. Voilà, comme ça avec les ponts. Là, là. Merde, il me couchait. Vous amenez tout le bordel ici. Vous faites votre waterlock ici et ici. Après, vous pétez d'abord ce gaz, puis celui-ci. Et vous avez chaque waterlock de fait. Et ça, faut le faire pour chaque pièce. C'est multi-pièces, hein, le setup. Il répète ça fois 10, quoi. Faut que je fasse un peu le ménage. Ouais, mais en gros, voilà, vous avez sur le tuto, vous ouvrez le AI de commande, contente. Attends, du coup, je remets la scène. Voilà, vous avez toute la séquence ici expliquée, là. Voilà, donc vous avez juste ça à suivre. Attention, c'est assez casse-gueule, là, comme setup. Enfin, c'est du costaud, quoi. Mais ça fonctionne sur un truc avec 10 kg. Faut être très 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 précautionneux, très organisé pour le faire. Est-ce que j'ai des trucs utiles ici ou pas? Ouais, j'ai du sable. On va faire un pont de singe rapidement. Nettoyer le sol. Là. Oui, par contre, ça coûte. Ouais, mais de toute façon, le counter flow, ça coûte pas très cher. Hein. J'ai de base. C'est pas ce qui coûte le plus cher. Mon cuiseur, il me coûte quasiment rien en électricité. Hein. Mais en effet, ça coûte encore moins cher. Et c'est surtout très classe. De toute manière, je vais devoir. D'aller ici pour que ça sorte. Il va falloir que je brèche, hein, quand j'ai pas le choix. On va brécher ici. J'ai pas besoin d'y mettre un. Comme ça, je pourrais mettre mon câble.
Voilà, au lieu de faire ce bazar là. Et ainsi. On met les turbines et on se casse. Là, on mettra juste 95. Ouais, ça passe. Ouais, il va y faire en acier. Voilà, là, je vais faire un accès pour pas qu'ils y accèdent. Le temps qu'ils fassent le ménage, les bras là. On va relever tout le bordel sur le sol. On va tout rehausser là-haut. Ah, remarque, non, c'est con en fait. Ah, parce que ma turbine, elle va être là. Hein. Ah, ouais. Ah, bah, ouais, non, c'est pas grave, c'est en haut du mur. Non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Mais ouais, les cascades de Escher, c'est vraiment chouette. Hein. Déjà, c'est beau visuellement, et en plus, il y a plein d'applications en fait. Bon, on va taper un peu sur là-dessus. Ça, on va dire qu'on va pas casser le vide. Ah, c'est pour ça que j'aime pas avec les pompes, parce que ça met tellement de ressources sur le sol. C'est chiant, quoi. Marc, ça, je peux le laisser. Ça va tirer notre câble ici. On va tirer la conduite là. Voilà, et on va laisser bosser les bras. Voilà, on fera la suite de la conduite après. Ça, tu vas sortir. Voilà, c'est bien, on balaye un peu ça, voilà, nickel. On sort et on fait le ménage. Voilà. Ouais, je fais un pont de singe. Il faut pas qu'en fait ce bras ait accès ici, là où ça tombe. Comme ça, il ne fait que remettre, il ne fait que remettre dans le stockage. Il remet pas les ressources. Lui, pareil. Il a juste accès à la zone où ça tombe et pas au corps. Comme ça, il va tout mettre là-bas. Voilà, on laisse bosser. On va juste enlever les pompes. Ah, tu peux, hein. Tout est possible dans le jeu Renouza. La cascade de l'écharpe, t'as pas de limite. Hein. Attends, je te remonte un truc. C'est quoi ce truc? D'accord, intéressant. Ouais, attends, je te montre une autre possibilité. C'est complètement anti-gravitationnel, hein, la cascade de Escher. Parce que ça, tu peux jouer contre la gravité du fait de la surpression. C'est pas que ça glitch le liquide, c'est que ça met tellement de pression sur le liquide que ça peut le faire remonter à contre-courant ou en vertical. Attends, je vais te montrer un exemple si je le trouve. Voilà, tu vois là par exemple le magma, il remonte à contre-courant grâce à la cascade de Escher. Alors c'est pas de la magie, hein, c'est juste de la surpression. Vu que là t'as une pression énorme, et ben ça fait remonter le magma. Voilà, donc ça c'est vraiment la cascade de Escher type.
Ouais, c'est top. Et pour votre counterflow de cuiseur, bah vous répétez ça fois X. Vous en faites genre 10 comme ça. Donc vous tirez des canalisations ici et ici. Les gaz, pareil, ici et ici. Et après vous pétez à chaque croisement. Voilà, les différentes cascades de Escher. Et là, voilà, en fonctionnement, on voit ça, vraiment, ça aspire vachement liquide. Donc voilà, je remets le lien de cet excellent guide. Mais oui, tu peux faire plein de choses hein, dans ton truc. Ah, lui, il est pas non plus en sommeil. Il n'y a pas de limite, JM. Tant que tu protèges tes murs, t'as pas de limite. Là, tu vois, j'ai aucune limite de pression. Je suis déjà à 3 tonnes. Ah ouais, vraiment, avec les cascades, tu peux vraiment faire plein de choses. Vous voyez comme j'ai nettoyé la zone, là? Tu peux faire des labyrinthes, tu peux faire circuler le liquide dans tous les sens. Hein. T'as vraiment zéro limite. Là, je tire juste le gros câble. On peut laisser le CO2, hein, c'est full EZF. Bon, la seule inconvénient de ce setup, c'est que ça laisse quand même les ressources nécessaires au bras et au câble, mais ça reste quand même beaucoup moins lourd à ramasser que tout un minage d'une zone. Ah oui, du coup, il faut quand même que je réouvre ici. Et on va tirer le câble, la tuyauterie. On s'en fout, pas besoin de le garder. Voilà, comme ceci. Vous voyez pourquoi j'avais mis la dalle? Pour éviter que l'eau se casse la gueule ici. Après, c'était pas très grave, mais bon. Et tu es nulle part, mais t'inquiète pas. Hein. On en apprend tous les jours avec ce jeu. C'est ça qui est génial. Même moi, je frôle les 5000 heures de jeu, là, j'en apprends encore. Nos fameuses turbines. Ouais, ça en fait, je suis pas hyper fan. Non, ça, je vais l'enlever. On va lisser juste l'architecture. Après. Ah oui, mais le risque. Ah oui, non, si je vais le laisser. Si par hasard, il y a de l'or qui se barre là-bas, ça va être chiant. Ouais. Ouais, mais ça fait plusieurs années que je joue. C'est étalé sur plusieurs années. Hein. Et là, comme ça, on a un refroidissement actif. Oui, si, ça c'est pas grave, on peut en injecter l'eau. Ouh, bien vu. Putain, ouais, ça leur a cuit. Bien vu, Galoen. En plus, en dessous, c'est l'obsidienne. Putain, ouais, ça m'aurait fait une méga fuite thermique.
Avec la lumière du jour, je vois pas bien les toujours les contrastes. Et là où sort l'eau. En vrai, je peux le bloquer ce port. J'en aurai largement assez. Je débiterai jamais à 2 kilos seconde. Vous avez le droit de bloquer les ports. Contrairement. Ah ouais, enfin attends. On a le droit, mais bon. Contrairement à l'ancienne turbine où on n'avait pas le droit. Là, on a le droit. Alors au-dessus on se mettra le. On se mettra des cuves de stockage. Presque le mettre sous vide avec là, ouais, il y a moyen de faire un vide là, là, et j'en mets un autre ici sous vide, ouais, on va faire ça comme ça, on n'aura pas de fuite thermique. Et 5. Voilà, vous voyez comme c'est tranquille là ici. L'eau se comprime ici tranquillement. Tu peux aussi il y a Narion. Tout est possible dans le jeu, je ne montre qu'un exemple de setup. Il y a des milliards de possibilités. Et jamais pour un seul des mêmes setups, il y a toujours plein de possibilités. Rien que pour les Electrolyzers. Là, vous avez un bel exemple. Regardez la diversité de setups. Avec des cascades. Suite 36. Et encore une variante. Encore une autre variante. C'est typique Oni, ça. Hein. Il n'y a pas qu'un setup. Il y a des milliards de setups pour faire la même chose. Après, c'est en fonction de ce que vous voulez faire, voilà, c'est vraiment de vos envies. Là, on va peut-être commencer à s'énerver un peu à fermer ici. Et je trouve que j'ai pas assez d'eau. Voilà, c'est ce que je voulais éviter. Avoir de la vapeur partout et me recasser le vide. Voilà, c'est parti. Ah, il faut que je ramasse le sel, au fait, aussi. Ça va me faire du sel. Bon, c'est bon, ça me ramasse tout. Nickel. Faut au minimum que je casse deux fois le vide par stream, ça c'est une règle de base. Et voilà, et là on a un refroidissement actif. Par contre mes turbines sont bloquées, c'est un peu chiant. C'est légèrement problématique.
Elles sont bloquées parce que la sortie d'eau est bloquée. Pour la nourriture, fleurs velues. Un peu de champignons et principalement des fleurs velues. On a tellement d'eau sur le jeu de base que les fleurs velues ont mieux de partir. C'est vraiment ce qu'il y a de mieux. C'est relativement simple. Le plus chiant, c'est de refroidir l'eau, mais une fois que tu sais refroidir l'eau, hyper simple. C'est renouvelable. Ah putain, fichier start. Et c'est évolutif en plus. Alors bien sûr, après il y a les râteaux-pieds, hein, mais bon. Bonne app, Lucien. Donc tu vois, c'est ça le. Ma méta alimentaire, c'est ça principalement. C'est vachement bien les fleurs velues. Hein. Ça consomme juste de l'eau. Donc comme je disais, c'est évolutif. Donc tu vois, de base. C'est ça. Après c'est ça. Tu les cuis. Et après tu peux faire ça. Voilà, 12 000 calories. Kilocalories. Et t'as une autre recette. T'as ça aussi. Non, c'est les fleurs velues, c'est vraiment pas mal. Le seul truc, c'est de savoir refroidir l'eau avec le thermostat turbine. Mais c'est vraiment pas compliqué. Hein. Pareil, vous avez un tuto sur la chaîne. Ou l'épisode où j'ai fait ça. Ok, bah ça y est, on est setup. Et là, vous voyez, j'ai bien de l'or qui sort à 67 degrés, donc c'est parfait. Voilà. Vous voyez, mes turbines sont en continu refroidies par l'eau. Donc c'est super. Ça, on va miner ici. Passer de vapeur, c'est normal. Voilà, ça on peut fermer. Et voilà, on est setup. Ah, c'est pas mal ce double setup là. Comme ça me filtre l'eau. Ça me fait un refroidissement continu et actif pour le volcan. Et on est au top. Donc on va vite fait faire l'autre. Le principe va être globalement le même, à peu de choses près. Hormis que là, il n'y aura pas de. Ah oui, merde. Ah putain, c'est vrai qu'il faut que je passe là. Ouais, il va falloir que je. Léger problème technique. Va devoir chanter comme ça. Et voir même plus en fait. Voilà. Et voilà. Le full setup. Donc vous voyez les ressources. Boucle sur le rail. Et dès que la ressource est inférieure à 130 degrés, si on peut pas refroidir moins de 130 avec la turbine, eh bien on la sort. Et ça me coûte rien en électricité. Pas besoin de se casser la tête avec le thermostat aquatique. Et ça, c'est faisable avec un geyser à eau. Quelle que soit l'eau. Eau polluée, eau salée, eau normale. Et c'est également faisable avec un puits à pétrole. Si vous voulez préchauffer votre pétrole, sur le même principe, vous injectez le pétrole dans la salle, sauf qu'il vous faudra une pompe, pour le coup. Là, l'eau des. Ah merde, ouais, c'est ça à l'intérieur. L'eau des turbines, il faudra la réinjecter dans, à l'intérieur. Et dès que le pétrole est chaud, vous le pompez, vous le sortez. Et vous allez le cuire. Voilà, en plus, on produit du sel. Et voilà, on est setup.
On a fait deux geysers en même temps, comme ça, deux volcans, un geyser et un volcan. Pour le prix d'un. Alors l'autre, ça va reprendre la même logique architecturale. À peu de choses près. Donc pour le volcan de fer, il faut deux turbines. J'aurais bien fait de la céramique. Avoir une bonne isolation, pas le chauffer, parce que là vu qu'on est sur de l'auto-refroidissement, il me faut. Putain, c'est 4, c'est 800, 400. 400, ah putain, il me faut 4 tonnes de céramique, ça fait cher. Hein. On va en faire 50. Ça fait cher. Ah, c'est bien, l'acier, on a bien avancé, 14 tonnes. On a fait la moitié pour couvrir la surface. Donc ouais, on pourra, prochain épisode, on commencera la surface. Les portes-bunkers et tout le cercle qui va avec. Pendant que ça construit, on va prendre le repère. À peu près j'ai décalé d'un cran. Ça paraît loin. Ouais, ça me paraît un peu loin après. Même là, ouais, ou là comme ça. Et là comme ça, ouais, là, comme ça c'est mieux. Là c'est pas mal. Donc, alors lui c'est vraiment basique de chez basique. C'est comme mon petit tuto. Donc la foule acier pareil. Tarif, c'est gérable avec de l'or, ce genre de setup, mais c'est quand même un petit peu avec, il faudrait du pétrole, en fait il faudrait inonder de pétrole la salle, et ce sera envisageable d'y faire en or, mais bon, on est full acier, on va pas se prendre la tête. Bien blindé, ouais, ça devrait passer comme ça. J'ai pas envie de péter, ouais, remarque. Peut-être comme ça. On va en mettre un pour vraiment faire un max de masse. Ouais, on a quand même pas mal de diamants pour y aller. Faire un peu de place en dessous. Ouais, toujours pareil, vous faites un rail. Alors l'avantage du rail, c'est que ça permet en fait de scoper la température du minerai. Donc c'est très utile. Ouais, là. Alors pareil, on va mettre un pont ici. Comme ça, on gagne en précision. Il n'est pas obligatoire, mais on gagne quand même en précision. De température de ressources. Ce qu'on peut faire, c'est faire ça comme ça, oui, c'est pas mal. Comme ça, on met le capteur ici. Voilà. Et comment j'avais mis le total, je bug toujours hein, sur les ponts, sur les rails, c'est tellement pas intuitif. C'est encore pire que sur les canalisations.
Ça, je l'avais mis après. J'avais mis en sortie. Ah oui, entre la vanne et là, d'accord. Attends, je vais screener ça. Tac. Pas faire de bêtises, parce que là, on a fait un beau truc. Ça boucle bien les ressources, donc autant ne pas se gourer. La batterie n'est pas indispensable. C'est juste pour vraiment être full autonome niveau électricité. Ça. Et donc j'ai dit. Donc là on est sur la sortie. Ouais, blanc, blanc, ouais, c'est ça. Donc lui, il va aller là. Le rail, il passe là-haut. Tac, tac, il bute ici, s'il veut pas sortir. Il ressort là. Voilà, il vient là. Et dès qu'il est froid, il sort ici. Est-ce qu'il balançait dans le waterlock à 600 kilos, tu me diras. Avant que ça réchauffe le bordel, on a le temps. Alors là, évitez le plomb pour les câbles. Globalement. Tape un peu dans l'acier, ouais, c'est qu'on redescend en dessous de 10 tonnes. Donc ça va vite remonter, surtout avec le volcan de fer. Ah, ça c'est un crabe qui nous fait chier. Ok, alors le crabe, il est où? Ah oui, c'est sur le portail, d'accord, super. Ok. J'ai 91 tonnes de plastique, lol. Juste avec les dracos. Quasiment 100 tonnes de plastique. Et quasiment 2000 fibres de roseau. Lucien. Ouais, mais je m'en fiche. On pourrait blasitique. Mais là, il change déjà tellement sur les rails. J'ai déjà x10. Et vu que c'est une boucle, c'est pas très grave. Donc on sort pas full échange. Mais en effet, on pourrait, mais. Ah oui, ça s'est effusé. Bah oui, bah, c'était parfait. Comme ça, on aura le télescope pour le prochain stream. Ce sera nickel. Salut Kaz. Ah cool. Bah nickel, content que les tutos te servent. N'hésite pas si t'as des questions. Bienvenue sur le stream. Ah, le plus long, ça va être la céramique. Mais là, je veux vraiment bien bien isoler les turbines, parce que vu que c'est un auto-refroidissement, là, les turbines vont s'auto-refroidir. Donc là, il faut vraiment un équilibre parfait. C'est un peu casse-gueule. Après, c'est pas très grave, parce qu'au pire, les turbines, je peux les refroidir autrement. Mais normalement, ça tient. L'équilibre, il tient normalement. Mais c'est vraiment un flux tendu. Hein. Donc, il faut pas qu'il y ait de fuite thermique pour le coup.
Ouais, de la saumure. Je sais que c'est un petit peu, un peu greedy, mais bon. Après, j'ai un bloc de glace juste à côté, donc ça va. C'est pas le plus grave. Ah oui, oh non, mais le pire que j'ai fait, c'est un waterlock avec de l'eau polluée. Ça, c'est vraiment être fou. Putain, il nous saoule ces crabes là. L'arbre bien de céramique. Et donc, on va auto-refroidir. Ah, faut encore taper dans la cire. Ah oui, c'est vrai qu'il fait. Ouais. Là, pour le coup, on fait un gros échangeur. Comment je l'avais fait déjà? Alors. Ah oui, c'est double dose, ok. Après, ça me paraît un petit peu. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Ouais, c'est sûrement. Du coup, faut que je mette dans le gaz. Sinon, la sous-vide, ça n'aurait aucun intérêt. Dalle par dalle. Ben parce que j'ai pas les ressources. Et que tu vois, si je. Des fois quand tu dises comme ça te met un autre matériau. Donc je préfère pas prendre le risque que ça me bug à moitié le truc. J'aurais bien fait un petit coffrage sous vide là, vite fait. Ça serait peut-être pas mal. Moi j'aime bien être full obsidienne dans la salle de volcan. Comme ça en cas de contact, il n'y a pas de problème. Là, ce qui est chiant, c'est qu'il faut que je ramasse le bordel. Et je pense qu'il y en a pas mal. Pourquoi avec de l'eau polluée? Ah non, non, c'était. Je sais plus pour quelle raison j'avais mis de l'eau polluée. Je devais avoir que ça à proximité et du coup. Je me suis pas cassé la tête. Mais c'était un full troll. Non, c'est une grosse connerie, hein, faire un waterlock avec de l'eau polluée. C'est complètement illogique. Il est bloqué lui? Ah bah oui, à cause de ça, perdre. Et ça, c'est en pause. Ça va être juste. On a encore tout ça. Alors ça aussi, il faut laisser full grid.
800 secondes, ouais, non. Alors, attends, on va le faire passer par l'autre côté. On va pas grider. Oui, en effet, c'est pas très pratique, ouais. Mais moi, ça avait marché parce qu'il y avait une condition qui était un peu what the fuck. Voilà, il vaut mieux faire ça. Attends, ça, on va le remettre en 9. Pareil, on va pas analyser le volcan, on va pas se prendre la tête. Voilà, comme ça c'est bien, on va laisser sous vide en dessous. Ouais, oui, c'est vrai, il faut que je le fasse. Mais j'ai tellement été occupé avec l'extension. Mais au final, j'ai le même setup sur cette base. Hein. En fait, cette base recoupe ma base sur dupliquant au final. Hein. Là. C'est surtout le volcan que je vais mettre sous vide. Donc on va faire ça. Là, les turbines, donc ça me dérange pas que ce soit pas parfaitement sous vide. Mais la partie basse, ouais, on va la laisser sous vide. Comme ça, on a vraiment full aucun échange. Juste revoir. Putain, ouais, il nous faut vraiment chier ces crabes là. Dans le genre. Et là, est-ce que ça tourne ou ça a l'air? Ça a l'air de bien se passer. Ah bah yes, j'ai pété le vide de mon truc. T'as quel travail, putain. Je sais pas comment je suis démerdé, mais j'ai réussi. Bon, tant pis, on aura une petite fuite thermique. Voilà, vous voyez, full automatisé. Et là, on a déjà. On a déjà 1 tonne 2 d'or déjà. De produite. Ouais, ça le bloque tout à fait case. Et ça, c'est valable pour tous les geysers, volcans et fumerolles. C'est exactement cette case en fait qu'il faut laisser. Donc, c'est ici, 2. Et 3. Et là, comme ça, t'as aucun risque de que ça rentre en éruption. Et alors là, on va juste avoir un léger problème. On va devoir passer par là. Et ça, ouais, ça fonctionne pour tout. Hein. On l'a bloqué lui encore? Ah bah oui, on a dû bloquer. Alors, on l'a bloqué. J'ai pas de chance, mes volcans sont en éruption, c'est chiant. C'est un skin, Lucien. Je trouve le skin actuel moche en fait. Je préfère l'ancien skin de la version alpha. C'est au goutte à goutte, hein, le. C'est beaucoup. Non, je pompe pas le magma ici. J'aime bien varier mes setups. D'un stream à l'autre. Sur cette base, j'essaie de faire des setups assez simples. La pompe à magma, c'est vraiment galère. C'est assez hardcore comme setup, donc. C'est pas vraiment fait pour les débutants. Là, voilà, on a un petit setup simple et compact.
Bah, c'est tout simple, hein. C'est la vapeur en fait, tu fous de la vapeur dans la salle et c'est la vapeur qui gère la chaleur via les turbines. Et dès que la ressource est froide, enfin, à 130 degrés, ça sort ici. D'où le capteur thermique. Tu fais boucler ta ressource sur les rails, et voilà. Et c'est refroidi par là. Et tu réinjectes en continu l'eau et la vapeur. Et ça te fait une boucle de refroidissement. Et en termes d'eau, il faut 150 kg d'eau par mètre cube. Possible que je mette l'eau salée. Parce que de toute façon, le sel, on pourra le récupérer. C'est pas possible. Soit ça, soit la glace. Remarque, la glace, j'aurai une meilleure précision. Attends, là, j'ai combien? On va être fermé là. J'ai 30. Donc minimum c'est 125. On va dire les 150 x 30. 4 tonnes 5. 4 tonnes 5 divisé par 800. Donc 5 plaques de régulation thermique. Ouais, on peut les faire aussi en glace, on aura peut-être une meilleure précision. 5 à 6 plaques. Pas plus de 6 plaques. Glace polluée, c'est un peu de la merde. Neige. Neige, ça fait de l'eau normalement. Ouais, ça fait de l'eau la neige. La fameuse neige. Alors on va s'éclater ça. Et comme ça nous fera de la flotte à l'intérieur. Ah par contre il y a le risque, ouais, faut que je fasse attention de bien fermer avant. Ouais, ce setup va assez vite à faire. C'est pas très compliqué pour un volcan. Faut juste un peu d'acier, de l'acier, du diamant. Et idéalement de la céramique pour le sol des turbines. Et vous êtes pas mal. Là, volontairement, je vais pas faire la jonction. Comme ça, il n'y a pas d'échange thermique entre ici et ici. Comme ça, la chaleur ne va pas remonter par là. Là, pareil. Il peut pas avoir d'échange thermique en biais. Il n'y a que la plaque de régulation thermique qui permet des échanges en biais, en fait. Sinon, c'est impossible. Donc, si vous faites des cases comme ça, même si je mettais ça, entre ces deux cases, il n'y a aucun échange thermique. Ça peut être à 5000 degrés. Il n'y aura pas un seul degré qui passera ici. Si bien sûr c'est sous vide. Et sinon ça passera par les gaz. Mais dans le vide. Ah oui, c'est vrai, ça c'est l'autre là. C'est le nouveau là qui a pas été formé aux exos. Et donc voilà, donc on va se finir le sol là, vite fait, au moins fermer la salle du volcan, après les turbines c'est moins urgent, et on sera correct, 3h30 ça va, on est dans les temps, je vais dépasser un petit peu, mais globalement on s'en est pas quand même pas trop mal sorti. Voilà, là. Je vais fermer là. Ouais, ça paraît, on va faire une obsidienne. Et. Et ça. Pas celui-là. Ah, ouais, tu vas te coincer du coup. Dommage. Il se ramasse ce bazar vite fait. Et puis là, loquer là. On va fermer là. Bonsoir, Corsair.
quadruple. Ouais. Ok. Et le petit dernier là. Tac. Et on pose. Ouais, il faut que je mette les plaques. Attends, pas que ça coule de partout. On va fermer ici. Voilà, ça devrait aller. Donc j'ai dit 6 plaques en glace. Deux, trois, quatre, cinq, six. Et si besoin, on rajoutera de l'eau à terme, c'est pas très grave. C'est inaccessible. Ah oui, toujours ces problèmes du truc. On va déjà faire les premières. Chiant, c'est ce truc là. Ouais, vas-y, voyons, Franco. Des capsules. Voilà, vous voyez, ça met de l'eau directement dans le truc. On va peut-être quand même. Ouais, parce que ça risque un peu de dégueuler. Ah putain, bien sûr, il se réveille à ce moment, j'adore. Ah, il peut pas sortir là. Si, il peut sortir. Si, ouais, si, il peut sortir. Il juste le manque de l'échelle, ok. Ah, c'est chiant, ça va me faire de la vapeur. On remarque, l'eau est assez glaciale, pas forcément. Ah, faut toujours que ça tombe sur les. Sur les heures de pause. Ce genre de truc. Ah, ça va, on a réussi à le bloquer. Non, en fait, ça va. Ah, donc cette eau c'est pour produire la vapeur. Et cette vapeur on va la réinjecter en dessous après. Ouais, à ceci près qu'il faut quand même que je termine là-haut. Donc ça on va pas miner tout de suite. Et turbine c'est pas le plus urgent. Faut juste fermer la salle. Mettre l'eau et pour le reste vous pouvez terminer après les turbines et le reste il n'y a pas de y a pas d'urgence c'est pas la minute. Ah oui mais là en fait on n'y a pas accès, ok, forcément. Bon, attends, vas-y, on va speeder un peu. Donc là, j'ai fait des plaques de régulation en glace. Comme ça permet de déplacer 800 kg d'eau par mètre cube. C'est un moyen simple et efficace de déplacer de l'eau, parce que vu que c'est en glace, ça fond instant. Et comme ça vous fait 800 kg par dalle. Et en plus, ça fait de l'eau froide, ça permet de nous laisser un peu le temps de finir le setup, plus. La dernière dalle, ils veulent pas. Hein. Voilà, et après, ouais, bah après, idéalement, ce sera full hydrogène. Ok, la turbine, on ramasse le bazar. Donc là, on va vite éliminer ça. Rusher les deux dernières plaques. Peut-être, je sais pas si j'ai pas l'impression que. J'avais mis ça, mais j'ai eu des retours comme quoi il n'avait pas assez. On va quand même s'en rajouter deux pour être sûr. Un peu les plaques de régule.
pas mettre trop d'eau non plus pour pas bloquer les évacuations. Mais il en faut quand même un petit peu. Et après, on fermera ça. Ouais. Attends, top. Il va pas avoir le temps de. Un peu trop rapide là. Le dupe. Pour une fois. Ok, on est bien là. Voilà, là maintenant il peut. Il peut s'activer quand il veut. Alors j'avais ça à ramasser. T'as ramassé ça d'abord. Voilà. Ok. Je l'analyse pas parce que de toute façon j'ai la graine d'astéroïde qui me dit combien il produit. Et combien même, de toute façon c'est toujours pareil, les billes, donc y a pas, c'est pas obligatoire de l'analyser. Vu que c'est un setup en plus full automatisé. Voilà. Donc vous voyez, on réinjecte l'eau. Donc ça va faire de la vapeur. Cette vapeur va être refroidie par les turbines. Et l'eau refroidie, on la remet dans la salle. Et voilà, on a une boucle de refroidissement. Ouais, c'est clair. Oui, c'est vrai que c'est rare d'avoir un dupliquant rapide. C'est sûr que c'est rare. Alors voilà. Et voilà. Allez, c'est parti. Bah nickel. 3h37. On a fait les 3 setups. Ah nickel. Franchement, j'ai bien rushé là. Donc ça fait ce setup. Celui-ci. Et celui-ci. Donc il va avec du coup. Donc celui-ci, c'est une petite variante. Au lieu de réinjecter l'eau à l'intérieur, là je fais un circuit linéaire, je pompe l'eau ici, je refroidis les turbines avec cette eau, et l'eau je la balance ici, et comme ça elle se vaporise, et après je la mets en cuve. Et ça me permet d'avoir de produire de filtrer l'eau salée en eau propre, et d'avoir du sel. Ça me fait une filtration automatisée, et un refroidissement continu. Donc si vous avez un geyser d'eau proche d'un geyser, vous pouvez faire ça. Même avec de l'eau polluée, c'est le même principe. Et ça vous permettra de produire, de filtrer votre eau polluée gratos et de façon automatisée. Par contre, abusez pas sur le débit, parce que vous risquez de noyer votre volcan. Donc vérifiez bien sur OniDB, Oni Assistant, pardon. Vous voyez, j'ai mis 1 kg d'eau par seconde égale 123 000 DTU. Et. Ah bah j'ai plus le volcan. Ah merde, bah j'ai quitté le volcan. Et le volcan c'était environ. Il était à 350 grammes seconde. J'avais regardé sur ma side. Vous voyez 350 grammes seconde. À 2000. C'est ça en lycée. Hein, à 2626. Et bien ça produisait environ 111 000 DTU. Et voilà, et comme ça on était à peu près stable. Donc pensez bien à équilibrer vos chaleurs. Hein. Alors c'est pas juste 2 kg d'eau comme ça. N'importe comment, parce que sinon ça. Vous retrouvez qu'il y a une salle bourrée d'eau polluée. Il faut bien équilibrer, voilà, voilà. Là on est nickel. Voilà, j'ai de l'or, j'ai mon or qui est ici. Avec le sel. Et voilà, ici on a fait une cascade de lécheurs. Bah, c'est nickel. Par contre, avec ce type de volcan, avec les magmatiques, là vous pouvez débiter. Hein. Là vous pouvez débiter à 2 kg sans problème. Sans souci. Voilà, et puis on a dépassé les râteaux-pieds aussi, on a fait les exos suite. Ah c'est bien, on a bien avancé là. Du coup le prochain stream on commencera à la surface. Même si j'ai à peine 10 tonnes, on a quand même de quoi commencer. Là, eux je les aurais bien immergés dans l'hydrogène. Pourquoi ils ramassent pas l'or? Si, si, t'es sûr? Alors, attends, il y a peut-être une erreur de clic.
Ah oui, non, parce que j'ai du sel à ramasser, c'est pour ça. Mais t'inquiète pas, il va ramasser l'or après. Après, ce que je peux dire, c'est... ouais, j'aurais peut-être dû mettre deux... Ouais, est-ce que le sel, on s'en fiche un peu. Ouais, on peut mettre l'or à la place. Et éventuellement, comme accès d'amélioration, on aurait pu mettre un deuxième stockage. Mais normalement, il va ramasser deux. Hein. Je pense qu'à terme, il aurait réussi à ramasser tout l'or, tout le sel. Mais bon, peu importe. Hein. Le plus important, c'est ouais, ce qui ramasse l'or. Ouais, et là, on voit, il est déjà plus de quasiment 3 tonnes d'or. C'est abusé. Hein. Les volcans métalliques, c'est fumé. Hein. La quantité d'or que ça produit, enfin, de métal, c'est vraiment fumé. Voilà, on va juste désenclaver un petit peu le. Là, je suis déjà. Ah non, oui, on va déjà 4 tonnes d'or là. Roche pragmatique. Oui, non, là où je pourrais pas. C'est vrai qu'on avait fait le vide. Après, je pourrais faire un lock. Pour éviter d'avoir cette évacuation. Et donc ça me fait casser la turbine. Ouais, si, attends, c'est possible. Il y a des choses possibles. Il y a des choses qui sont envisageables. Faire ça comme ça, ouais, comme ça on garde sous vide et qu'il y ait de l'hydrogène dans le couloir, c'est pas grave. Bon bah c'est bien. Non, c'est à 130 et au pire je finaliserai le refroidissement, c'est pas très grave. Et là en plus, ça sort pas 130. Hein. Ah ouais. Non, ça va, je suis pas trop inquiet sur la base. Bah, je vais pas tarder, Vincent, ouais, déjà, ouais. Là, je finis juste le setup et on va pas tarder. On a bien, on a atteint l'objectif. Merci, Vincent. Je pensais pas que j'allais réussir à refaire les deux volcans, c'est cool. Hein. Et ça, je suis pas sûr qu'on puisse le ramasser. Encore coincé, mais lol. Putain, mais qu'ils arrêtent de se coincer toutes les 5 minutes. Allez, on va se faire un petit rush là. Ça. Je vais le remettre là-dedans. Bon, après, il n'y a quasiment plus de place, mais. Voilà, ça. Et voilà. Ah merde, attends, il y a celui-là. Ah putain, il y a celui-là. Et chier. Ah bah nickel. Nickel, nickel.
pas si ça peut être accessible vraiment aux affaires. Aux affaires, on va le laisser où il est. Pas se prendre la tête. D'ailleurs, de l'hydrogène, je pense. Attends, je crois pas que j'en ai des masses. Ouais, c'est un. Ah, je sais pas si c'est un plus vite. Le canaliser. Je vais le mettre aux bouteilles. On va plutôt faire de la mise en bouteille. C'est un plus vite, je pense. Et voilà, c'est parti. Et bien sûr, il faut acheter de l'électricité, mais ça, c'est pas le plus urgent. On peut d'ailleurs lancer une setup comme ça. Et après, à terme, il devrait être autonome. Putain, ça fait penser, ouais, que. Le câble, il n'est pas très accessible. Allez, on speed là-dessus. Alors vite fait des bouteilles d'hydrogène. Et ça partait où ça? Ah oui, c'est d'en bas, ok, nickel. Voilà, full hydrogène. Et après, on sera bien. Oui, on va le calmer. Allez, bombarde-moi cet hydrogène là. Presque 1 kg, plus journée mieux c'est, mieux c'est. Si 20 kg ça aurait été bien, mais bon. Ah ouais, ça va, ça bombarde les bouteilles en bas. Là je mets en urgent pour pas perdre trop de temps sur le stream, mais. Il n'y a pas de réelle urgence. Kilo 5. Allez, on va taper à 5 kilos.
Bon, on va arrêter 870, c'est bien. Voilà, on finit ces bouteilles, c'est bon. Et on se casse. Voilà, c'est très bien, là. Merde, j'ai fait pisser partout, du coup. Ah bah oui, l'autre, forcément, on va faire ses bouteilles non-stop, là, c'est sûr que... C'est pas l'idéal. Non, dans la cuve d'hydrogène, ça fait pas une bouteille basétique. Tu confonds avec le liquide. Ça te fait un gros nuage de gaz. Voilà, c'est assez bon, il y a quasiment 4 kilos, c'est nickel. Voilà, 5 kilos, parfait. Ah non, malheureusement, non. Malheureusement, non. On plug ça. Allez, c'est parti. Le setup est lancé. Bonne 4 heures, ça va, c'est pas mal. Là, voilà, vous voyez, tant qu'on n'est pas supérieur à, inférieur à 130, ça reste à l'intérieur. Ça, tu vas le ramasser. On va fermer la salle et c'est fini. Là, oui, j'avais fermé comme ça. Ah, cet hydrogène dans l'interstice, on va le casser. Ici, là, pour pas créer d'échange. Et voyez, voilà. Vous voyez, là, on est full sous vide, donc on est peinard. En dessous, il n'y a pas d'échange. Et en haut, voilà, ça gère la chaleur. Voilà, là, on va recasser. Ici. Là, on est à 5 kilos, c'est parfait. Et voilà, fini. Donc voilà pour le setup, et là vous voyez, voilà, j'ai du fer. Fer, 78 degrés. Voilà, setup accompli. Donc je vous remontre les overlays, mais c'est très, très basique. Auto-refroidissement comme ça. Vous bourrez de plaques de régulation thermique en glace pour le bas. Là c'est du diamant. Le rail. Avec les deux ponts pour bien que ça boucle. La vanne pour sortir quand c'est assez froid. Et voilà. Et tout en acier. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Et là, c'est full automatisé, on n'a plus besoin de s'en occuper. Donc voilà. Donc on a fait celui-ci. Et ces deux-là. Donc voilà, bon bah sur ce, merci à tous, merci à toutes d'être passés sur le stream. Je vous souhaite une bonne soirée. Normalement, je restreamerai demain vers 16h30, 17h. Et on abordera l'espace. Le plomb. Comment ça, le plomb? Quel plomb? Ah, le plomb, ça sert à quoi? De façon générale, tu veux dire? À faire des câbles, principalement. Merci, bonne soirée, Pogbacar. Mais attention, principalement on s'en sert pour faire les câbles, hormis pour les zones supérieures à 300 degrés. Parce que le plomb fond à 300 degrés, donc fais vachement gaffe à ça. Mais vu qu'il est en quantité industrielle, c'est très utile pour faire des gros câbles. Des gros câbles comme ça. Ça évite de taper dans le stock de minerais bruts. Ça sert à ça et on s'en sert aussi pour ça principalement, voilà, et pour d'autres constructions diverses, voilà. Ouais, moi sur ce, une bonne soirée et je vous dis à demain pour celles et ceux qui sont là, ou à la prochaine, salut.